Yo 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 yo! Salut tout le monde, comment ça va? Est-ce que ça va? Tout le monde va bien? J'espère que ça se passe pour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Ça va? Tout le monde va bien? <laughs> Les gars, je vous vois déjà venir. Je vois déjà venir sur la coupe. Les frérots, j'ai pas de coupe. En fait, c'est ça que vous devez savoir. Je suis en train de relaisser -re pousser mes cheveux. Euh, j'ai pas de coupe, je ferai pas de dégradé, je ferai rien. Vous allez me voir en mode sauvage. Vous allez me voir en mode sauvage comme ça pendant des mois. Là, je vais être en mode sauvage comme ça pendant des mois. Donc, il y a moyen peut-être des fois, de temps en temps, je remets un bonnet ou une casquette, mais je pense c'est pas bien que j'ai toujours un truc sur la tête. Donc, euh... donc je vais, je vais relaisser pousser mes cheveux et vous allez me voir en mode sauvage pendant pendant des mois. Sinon, je peux mettre une casquette. Attendez, vous voulez, vous voulez que je mette une casquette? Je mets une casquette. Non, on veut voir ta bêtise. <laughs> déjà, déjà est-ce que vous, ça va Est-ce que, euh, est que vous, vous allez bien Est-ce que, euh, est que, est que ça se passe pour vous Est-ce que euh, vous avez passé un bon week-end Est-ce que hier soir, vous avez passé un bon moment euh, Déjà, est-ce que c'est est, est le plus important Est-ce que, est que tout se passe bien dans votre vie euh, on a beaucoup de choses à se dire ce soir. Euh, j'ai beaucoup 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 de choses à vous dire. Énormément de choses à vous dire. Euh... Vraiment, 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 j'ai beaucoup de choses à vous dire. Euh... Merci, merci les gars pour les semaines, Merci Alex. Merci Raph Calvo. Merci Arkiri, Merci Scapin. Salve vous euh, Je sais, je sais que je sais qu'il s'est passé pas mal de choses hier. C'est même passé pas mal de choses cette semaine en vrai. Euh, on va parler de tout ça. Déjà, moi, dans un premier temps, je voulais vous remercier. Euh, je voulais vous remercier parce que, euh, bah parce que euh, la force que vous apportez et la crédibilité que vous donnez à chaque fois au projet que je lance avec mes frérots, euh, et quand je dis mes frérots, c'est aussi bien les streamers que vous connaissez que mes frérots dans l'ombre qui bossent avec moi. Euh, bah, vous, vous vous donnez toujours à 200%. Euh, J'espère que... Je fais pas tâche parce que d'une certaine manière, en vrai, on vous représente dans l'internet français. Je dis bien dans l'internet français, et j'espère que on, on le fait aussi bien qu'on peut. Et j'espère que ça vous ça vous, fin, ça vous déçoit pas et que qu'on qu le fait au maximum, même dans des situations aussi inattendues que celles d'hier. Parce que c'est vrai qu'hier, euh, bah, n'était pas très évident à gérer. Et il y a plein de choses qui n'étaient pas évidentes à gérer. Et je vous, je vous raconterai je vous raconterai parce que je vais vous raconter tout, tout, tout l'explicatif, toute l'organisation de l'événement, je vais vous raconter pas mal de choses. Avant ça, je souhaite déjà vous parler, de vous remercier. Euh, et, euh, et voilà. Donc, euh, donc euh, merci à vous. Euh, le, le premier truc, c'est que moi je sais que d'une certaine manière, vous pouvez pas le nier, même si je sais que vous nous envoyez de la force à tous et que vous êtes fiers de nous. Je sais que d'une certaine manière, on vous a quand même déçu, c'est logique. Euh, « Vous vouliez qu'on gagne, euh, vous attendiez pas à ce score, euh, c'est normal. » Après, on n'est pas des joueurs de Ligue 1, mais on en parlera. On en parlera. Il euh, y a eu du racisme, oui, il y en a qui parlent d'arbitrage, il y en a qui parlent de joueurs, on va, on va parler de tout ça. Euh, mais, 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 euh, mais dans tous les cas, moi, si vous, vous me dites que vous êtes content que... On a su vous représenter, c'est ce que je disais juste avant. C'est plus important pour moi parce que j'ai pas envie qu'on aille faire euh, les cons. En, en fait, si vous regardez le premier événement qu'on a fait, déjà le premier Eleven All Star, moi je trouve qu'on a donné une belle image des Français. Avec Carnage, on a su faire un événement incroyable, produire un événement fou. Ça a retenti, les gars, vraiment, c'est même pas pour faire le, le mec ou quoi, hein, mais ça a retenti dans le monde entier cet événement. Ça a fait le tour d'Internet. Les gens ont pété un câble sur vous, l'ambiance que vous avez mis, l'ambiance que vous avez mise sur les réseaux. Euh, la production, le match, la beauté euh, du, du match, etc. Ils, 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 sont, ils, étaient, euh, ils étaient à des années-lumière de nous en termes d'orga, de production. Il y a, y a pas photo. Il euh, y a pas photo, sans parler du côté respect. Mais ça, on va en parler du respect. Il euh, y, y, y a vraiment pas photo. Ils, étaient, ils, sont, ils sont vraiment à des années-lumière de nous. Euh, je tiens à m'excuser auprès de tous les supporters qui sont, qui sont venus. Euh, déjà dans un premier temps, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pendant la communication de l'événement, j'ai jamais partagé la billetterie. vous le savez, dites-vous que les supporters qui sont venus, c'est des soldats. Qui sont allés chercher leur, la billetterie d'eux-mêmes dans les réseaux sociaux espagnols. Qui sont allés fouiner parce qu'ils voulaient venir. Je n'ai jamais dit aux gens de venir une seule fois. J'ai jamais partagé la billetterie. Dites-vous là, le monde qu'il qu y avait là, il y avait dans le stade, c'était 10-15% de Français, je pense, un hein, minimum. C'est des, des vrais soldats qui sont allés chercher la billetterie d'eux-mêmes et qui sont partis prendre leurs billets d'eux-mêmes. Moi, j'ai jamais partagé la billetterie, j'ai jamais parlé aux gens de venir au stade, j'ai jamais dit aux gens, les gars, venez. Jamais, jamais une seule fois. Jamais une seule fois. Euh, pourquoi Parce que honnêtement, je le sentais, je... je vais pas vous mentir. Et je ne je, je, je vais pas dire que je voulais vous protéger, je, je me prends pour un super-héros, mais je, je voulais pas, j'avais peur de vous mettre dans un bourbier. Et j'avais pas en, envie de vous faire venir dans un endroit et que ça se passe mal pour vous. Euh, et j'ai jamais voulu que vous veniez, et pas que ça. J'étais déçu de la communication aussi de DJ Mario. J'arrive, je ramène Zizou les gars. Je, je sais pas si vous avez, vous avez pas remarqué un truc dans ma communication, c'est qu'au début je, je, je fais une communication de malade, je ramène Zizou. Euh, et que si vous remarquez bien, après je communique de moins en moins. Mais pourquoi Parce qu'en fait, je suis dégoûté. Je me dis, je suis en train de me donner plus que le mec qui est censé organiser son événement. Il, il, il est là, il a annoncé son événement, il a mis une photo euh, faite sous Zia avec moi et lui. Et c'est comme ça qu'il annonce son événement. Ça pue la merde. C'est quoi ce mec? Il est nul à chier, ce gars. Tu fais un événement dans un stade du Wanda Metropolitano, t'as la chance de faire un truc pareil, t'as des connaissances de partout, tu connais des joueurs de foot, tu, tu, tu peux faire 20 000 choses sur toi, les doigts de ton cul, fais quelque chose de propre, je sais pas. Euh, hype les jambes, les pauvres espagnols, moi je les plains. Leur créateur de contenu, c'est un cafard, mon frère. C'est quoi ça Et ça m'a dégoûté, je me suis dit, mais pourquoi moi je vais aller hype et communiquer plus que le mec, c'est censé être son événement est, je, On est où et c'est pour ça qu'après, j'ai commencé à moins parler de l'événement. Je voulais pas dire aux gens de venir. Pour bon, moi, ça a, a lui de remplir son stade. Mais vous imaginez, si j'avais forcé sur la billetterie, il y a un monde, on aurait tant en Espagne, ça aurait été 50-50. Je, je, je. Et, et les gars, moi, en plus, je récupère pas l'oseille. Hein. C'est-à-dire que c'est moi qui renfloue les caisses de ce trou du cul. C'est. Je... On est où? Je le, le fin, je sais pas, fais quelque chose, fais. Enfin, fais, bouge-toi le cul, je sais pas. Nous, au match aller, les gars, le stade, je vous le dis, hein, dans le stade, je crois il y avait 150 espagnols. Il hein. y avait plus de vingt mille français, le stade était full. Il y avait 150 espagnols. Euh... Euh, pas plus. Donc, euh, donc, non, euh, t'as un beau stade. Franchement, le stade, il était magnifique. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Euh... Les supporters espagnols, je vais pas tous les mettre dans le même panier parce qu'il y a des gens qui, 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 qui nous ont fait des cœurs, des machins, mais il y a quand même la moitié, je pense. Les insultes, c'est rien. Nous, on s'en foutait les insultes. Les doigts d'honneur, c'est le jeu. C'est ça, quand t'arrives extérieur, public adverse. Euh... C'est le jeu, mais à partir du moment où ça part dans le racisme, il y a plus de débat, il y a pas de débat possible. Il euh... y a plus de discussion. Donc, dans un premier temps, on voit qu'il y a le truc de racisme sur Brooks. Euh, là, tout le monde pète un plomb, on pète tous un plomb. Et pour être honnête, on en avait déjà parlé avant. Euh, et, et vous le verrez, ce qui est fou, c'est que, parce que je, je sortirai une vidéo de tous les coulisses, les machins. Les gars, je vous jure, ça fait des semaines qu'on en parle, on a peur de ça depuis des semaines. On se dit, mais on sent que va y avoir des trucs racistes. Et les gars, regardez ce qui se passe avec Vinicius. Depuis des mois, des, des semaines, ça le fait passer pour un fou. Les gars, je, 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 le pauvre, je me dis, mais est-ce qu'il subit, subit vraiment ça toutes les semaines, ce genre de foot-là C'est de la folie. Et. Et alors que nous, on est juste des, des streamers, des youtubeurs, hein. On n'est pas Vinicius. C'est-à-dire, imaginez des joueurs de foot à leur échelle. Nous, on est des, des, des crottes de lapin. On est des crottes de lapin. C'est-à-dire, t'arrives à être raciste sur des trous du cul comme nous. Mais, mais, mais frérot, t'es t'es venu pourquoi De base, c'est un divertissement. Donc. Dans un premier temps, il y a eu Brooks. Donc là, c'est un peu parti en cacahuète. Euh, on a voulu faire arrêter le match, comme vous avez vu. Euh... Et dans un deuxième temps, juste après Brooks, il y a plein de gens du staff qui viennent me voir et qui me disent, il y a des supporters, ça leur jette des cacahuètes dessus, ça les traite de salarabes. Euh... Ça leur fait des signes de singe. C'est parti un peu loin. C'est parti un peu loin. Euh... Et du coup, bah, c'était. 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 C'était inadmissible. Hein. Euh, on, a, on, a, on a dit qu'on allait arrêter. Euh, moi, à vrai dire, je vous dis la vérité, nous, c'était fini à ce moment-là. On allait stopper le match. On était déterminés. C'était fini. On partait. Au revoir. Et j'ai dit nous, on arrête. Et euh, le truc qui nous a un peu fait changer d'avis, c'est que tu trois joueurs de l'équipe d'Espagne qui sont venus vers nous. Il y a Coco, euh, Gayan. Ah, comment il s'appelle Le gars qui était à la conférence de presse avec DJ Mario. Ah merde, c'est vraiment un bon gars. C'est vraiment un bon gars. Euh, Gagnard. Gagnard. Euh, le mec un peu fort. Ouais. Gagnard. Et un troisième. Les mecs, qui sont venus. Vous savez ce qu'ils nous ont dit Ils nous ont dit, les gars, vous l'arrêtez le match. On arrête le match. Vous avez raison. venons on l'arrête. Et je vous jure, jure c'est même pas pour vanner ou quoi. Hein. Je vous jure, ça m'a touché au cœur parce que je me suis dit. Il s'en fout de l'event. Il est là. Il est dans la même lignée que nous. C'est le respect. Et les trois, ils nous ont dit Les gars, vous voulez arrêter le match On arrête le match. Et euh, ils, étaient, ils étaient atterrés. Ils étaient atterrés. Ils étaient tout aussi atterrés que nous. Euh, merde. Et, euh, et ça, ça nous a un peu touché, à vrai dire, à, à quel point les, 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 les joueurs euh, sont venus en mode euh, soutien. Alors, est-ce que je regrette qu'on ait repris je, je, je sais pas je, je prends pas assez de recul je sais pas si on aurait dû on aurait dû reprendre je, je je sais pas en fait dans le feu de l'action c'est pas évident je je, je je sais pas du tout euh, ce ce qui est sûr ce qui est sûr c'est que et je pense que vous l'avez senti après c'était bizarre sur le terrain c'était pas pareil on était tous sortis du truc Hon honnêtement on était tous sortis du truc après on était plus dans on était plus c'était plus pareil l'événement on n'était pas c'était. Je, je... Moi, moi les gars, je vous dis la vérité. Euh, je je, je parle aux joueurs, je parle à tout le monde. J'ai l'impression que tout le monde était triste. Je vous jure, moi j'étais triste, tout le monde était triste. Et, et moi j'étais dépité parce que j'avais l'impression d'avoir amené tout le monde dans un bourbier. Et je. je, je les gars, je vous jure, j'étais dépité pour les supporters sur place. J'étais dépité pour euh, les frérots que j'ai ramenés. Je me suis dit putain, je... je... Je vous ramène à un événement. Normalement, on est censé vivre les, des moments uniques dans notre vie. Et ça nous traite de singe euh, De. De. de... Je... C'est pas ta faute. Ouais, mais après, moi, je pense que j'ai un peu, euh, peu peut-être overreact ou over-dramatisé euh, over, euh, la situation parce que j'ai eu <laughs> une semaine euh, folle. Et euh, quand il y a eu le truc de racisme, je me suis dit Ah non, c'est pas possible. Je dis c'est pas possible et j'ai je, 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 je regardé Brock, j'étais pas bien. Je, je regardais les supporters, j'étais pas bien. Je... Ah les gars, vous voulez que je coupe le Lofi Attendez, je vais couper le Lofi. Désolé. Euh... Donc il s'est passé quoi euh... Il y a l'arbitre, il commence à dire, bah, il va s'exprimer, il va mettre un avertissement. Il va dire écoutez, il se passe encore un truc bizarre, on stoppe le match. Sauf que moi, mon di son discours, euh, il me suffit pas. Je regarde l'arbitre et je me dis mais bah, attendez. C'est pas normal ce qui se passe, là. Pourquoi c'est l'arbitre qui parle à tout le monde C'est pas l'événement de l'arbitre, c'est l'événement de DJ Mario. Pourquoi ce trou du cul, il est caché derrière tous les joueurs, on le voit même pas Il est là, à, ce, ce, avec son petit 1 m cube là, il est caché derrière toute son équipe. C'est son événement, c'est pas lui qui parle, il fait rien. Et donc, je suis allé prendre le micro, j'ai dit euh, « Non, euh, gros, c'est ton... » Moi, si ça s'était passé en France, je vous jure, les gars, je... je... J'aurais éteint le, 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 les supporters, encore heureux. Je pense que l'eau, ça mouille, le feu, ça brûle. Et euh, je lui ai dit « Frérot, c'est ton événement, prends le micro, parle. » Et cette petite salope, il prend le micro, il fait le mec timide, je sais pas quoi. Quand, quand c'est pour célébrer, montrer ses yucks, faire le malin, dire de la merde, là, il y arrive, mais quand c'est pour euh, au moins faire une morale sur le racisme, là, il peut pas, il est tétanisé. Tu te fous de la gueule du monde ou quoi, gros les gars, ce mec-là, c'est pas, pas une bonne personne. Je vais vous le dire, c'est pas une bonne personne. Moi, je ferais plus rien avec ce mec déjà. Euh... C'est pas une bonne personne. Euh... Il, il, il y a eu de la manipulation. Il y a eu euh, plein de choses qui se sont passées. Je vais, je vais vous raconter de toute façon. Euh... Déjà, comment tu peux faire un événement C'est ton événement de foot. Tu joues 5 tu joues minutes. Mais moi, je viens quand je, quand je crée un événement de ce genre, c'est un divertissement. Je veux pas que les gens regardent un match de Ligue 1. C'est un divertissement. Le but du. du... C'est pas un 11 All-Star. Déjà, arrêté de dire 11 All-Star parce que si c'est pas un manque de respect pour moi, c'est un manque de respect pour Carnage. Carnage, tu lui donnes le Vanda Métropolitano c'est pas la bouse de vache qu'il y a eu hier soir, hein, je vous le dis. Carnage, frérot, tu lui donnes le stade d'hier, c'est pas, pas la bouse d'hier. là. Hein. Je, je, je préfère vous, 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 vous le rappeler. C'est pas un 11 All-Star hier, les gars, c'est un match retour. Euh, donc euh, les gars, carnage, carnage, il fait, euh, il fait il fait All stars, il fait le KCX, il fait les FL days. Allez voir, c'est quoi euh, C'est du travail propre, c'est du sérieux. Euh, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas la kermesse d'hier. Euh, tu, tu, tu fais un événement, tu hype un événement autour du divertissement. Moi, quand je le fais, le but c'est on prend des créateurs de contenu qu'on voit pas forcément dans des formats foot. C'est pas forcément les plus gros sportifs qu'on connaît. C'est des mecs qui font du Minecraft. Peut-être ils font chroniqueur, peut-être streamer, peut-être ils sont sur Internet, peut-être ils font de la musique, peut-être youtubeur. Ils se sortent les doigts du cul pendant un mois. Ils se mettent dans une, un mode de vie un peu de footballeur. Et ils ont un esprit shonen de se dire « On y va, on va jouer un match de foot, on est naze, mais on va essayer de le faire. » Il a pas de complexe, on s'en fout. On va rater des passes, on va rater des contrôles. Mais c'est ça qui est marrant. Ça pue sa mère de juste venir ramener des mecs forts. Je préfère aller regarder la Ligue 1, moi. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles de ramener des mecs forts qui jouent au foot Qu'est-ce qu'on s'en branle, les gars je... 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 C'est quoi le but De regarder un 11-11 avec des mecs forts J'ai je... aucun intérêt, moi, de faire ça. Les gars, il y, du... y a du foot à la télé pour ça. Il y a des joueurs, c'est leur métier. Sauf que euh, ce qui s'est passé euh, du coup au niveau des joueurs, je vais vous l'expliquer, euh, c'est que, euh, en gros, au début, euh, l'année dernière, ils voulaient qu'on fasse l'event. Euh, je ne l'ai pas fait. Je l'ai pas fait pour deux raisons. Parce que, déjà, euh, physiquement, j'étais HS. Et la deuxième raison, c'est que je ne le sentais pas. Je ne le sentais pas parce que j'avais l'impression qu'ils voulaient refaire le match, mais pas pour les bonnes raisons. Euh, ils sont partis faire une campagne de communication dans leur pays en disant qu'au match aller, on avait triché. Je suis allé voir DJ Mario euh, quand j'étais il y a trois jours avec lui. Je lui ai dit Mais pourquoi vous dites qu'on a triché il a fait quoi Elle a fait quoi l'arbitre Ramène les clips à l'arbitre. Elle était carrée au match aller. Elle a fait une erreur, je m'en souviens, au match aller c'était qu'il y a eu une passe en retrait et Jinxi la prend à la main. À part ça, aucune bêtise. L'arbitre, elle était carrée. Elle était incroyable. En plus, c'était une humaine géniale. Euh, et, et, et je lui passe vraiment le, le salam, vraiment un gros salut. Elle était, je lui donne tout mon respect. Elle était carré. Il, il y avait eu une erreur. Ça peut arbitrer une erreur dans un match. Rien. En dehors de ça, c'était une reine. Le match était clean. Moi, je me suis pris un jaune. Enfin, tout était clean. Donc, ils sont partis faire une campagne de victimisation auprès de leur espagnol parce qu'ils étaient nazes. Et, qui, et, 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 du coup, euh, et du coup, ils se sont transformé le truc un peu en guerre, je sais pas quoi. Donc, j'étais un peu sur la défensive au niveau de l'événement. Et euh, en, en février, ils sont venus me voir et m'ont dit, Amine, on veut refaire l'événement. T'inquiète, on veut juste faire du divertissement. Euh, et moi, je leur ai dit, les gars, ok, mais euh, en plus, il y avait l'Euro, il y avait les Jeux Olympiques. Je me suis dit, on verra. Je me suis dit, on verra. Peut-être en plus, il y aura un France-Espagne. Peut-être ça va mettre un peu de, de, de jus dans le truc. Je me suis dit, on verra. J'ai dit, par contre, si on le fait, il faut que les effectifs ce soient les mêmes. On peut changer, allez, trois joueurs. On change trois joueurs, ça va. Ils me disent, Amine, on te jure, à ma parole, ça sera les mêmes effectifs, on changera peut-être trois joueurs maximum. Les gars, vous savez le guet-apens qu'ils m'ont fait je, je, je veux vraiment le guet-apens, vous allez voir le guet-apens de fou. Ils m'ont envoyé la liste des joueurs, on avait fait un contrat et tout. Ils m'ont envoyé la liste des joueurs 5 heures avant leur annonce de liste des joueurs. Genre, j'avais pas le choix. En début septembre, ils m'ont envoyé la liste des jours 5 heures avant. Enfin, en tout cas, quelques heures avant, euh, mais dans, dans la journée, juste avant le live. Je, parce que je dis 5 heures avant, comme si je me rappelais du nombre d'heures, mais en gros, façon de parler. Mais dans la journée, moi, non, ça. Moi, je veux pas qu'on se cache derrière ça, les gars, parce que. Quoi qu'il en, qu en soit, le match, il était gagnable. Mais c'est juste l'état d'esprit qui me dérange. Moi, je m'en fous qu'on perde. Je vous jure, les gars, je m'en fiche. C'est ce que je leur disais. C'est juste le truc de. Tu sais, y a, je, je suis sûr que vous voyez ce que je veux dire. C'est la manière de faire. Avoir une parole, l'humain. Tu, tu, tu dis des propos, tu les tiens jusqu'au bout. Tu donnes une parole, tu, tu, tu tiens tes engagements. C'est juste ça. Moi, je m'en fiche. Juste être, être loyal, ne pas, ne pas être tordu, il faut pas être vicieux. Moi, quand je travaille avec des gens ou je traîne avec des gens, j'aime pas quand c'est vicieux. C'est je, je, bizarre. Et j'arrive devant la liste, je vois 13 joueurs changer. Ils me disent, ouais, mais parce que c'est des nouveaux TikTokers, machin, ils vont mettre de la hype sur l'event, machin, nanani, nanana. Et les gars, ils m'ont fatigué, j'ai essayé de j'ai juste modifié sur deux joueurs, j'ai dit euh, bon, vas-y ces deux joueurs-là parce qu'ils étaient, ils étaient vraiment trop trop forts, il y a un joueur qui était niveau euh, semi-pro. Euh, ils ont rajouté des joueurs de fou. J'ai dit, ces deux joueurs-là, euh, ils peuvent pas jouer tout le match. J'ai mis de l'eau dans mon vin, je me suis dit vas-y, je vais pas prendre la tête, c'est pas grave. Moi je suis là pour le divertissement, j'ai pas envie de me casser la tête. J'y suis allé, je me suis pas pris la tête. On a allé au match. Mais la honte, la honte parce que en fait, tu as juste voulu juste gagner le match ramener tes joueurs et te dire, euh, et te dire en, en fait il n'y avait pas il avait pas ce côté il y avait pas ce côté, euh, avait pas ce côté euh, divertissement qu'il y avait au premier match où où tu savais que c'était des mecs gays. au premier il y avait rubius il y avait ibai ibai il est même pas venu les gars ibai il m'envoie un message hier il s'est excusé pour euh, pour l'événement de, de de pour d'hier il m'a dit désolé il euh, y, y a des gens de chez nous qui ont été odieux machin c'est pas normal ce qui s'est passé etc il a cancel, il est même pas venu au live. Je suis sûr que même lui l'a senti le bourbier. Il devait venir, il buy. il a cancelé quelques jours avant. J'ai donc euh... donc bon euh... moi moi c'est juste ça que je déplore. C'est à un moment donné c'est ton événement, il faut que tu il faut que tu le portes. Il faut que tu sois sincère. Il faut que tu sois loyal. Il faut que tu, 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 tu fasses ton truc jusqu'au bout. Fais pas ton événement juste pour gagner. T'es resté sur le banc tout le match. DJ Mario est resté sur le banc tout le match. Et les gars, c'est... <laughs> Mais la honte Les gars, DJ Mario... Michou a plus joué que DJ Mario. Je... je... Les gars, je, je, PFU t'a plus joué que DJ Mario. SDM a plus joué que DJ Mario. C'était son event. Oh! Mais, mais c'est gênant. Je, je, je sais pas. Euh, c'est c'est bizarre. En fait, t'es resté sur le banc et tu t'es dit, faut qu'on gagne, je suis naze, vas-y. Euh. Je, je, je sais pas. Je, je comprenais pas, j'ai pas, pas, j'ai pas vraiment compris. Après, je sais qu'il y en a qui me parlent aussi de l'arbitre. J'ai pas envie de m'attarder sur l'arbitrage. J'ai pas envie qu'on qu se victimise. Moi, moi, c'est plus le côté, euh, moi, c'est plus le côté euh, pas honnête qui me dérange dans l'événement. L'arbitre, ouais, c'est vrai que c'était un chroniqueur euh, del Chiringuito. Il y a eu des erreurs. De toute façon, on va, on va regarder là. Après, on va regarder un peu tout ce qui s'est passé. Il euh, y a, j'ai un truc avec un peu tous les tous les moments forts euh, de d'hier. Mais euh, l'arbitre, les gars, en gros, c'est un chroniqueur d'El Chiringuito, mais ils m'ont dit que c'est un ancien arbitre pro de Div 2. Donc, euh, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux J'ai même pas vérifié. Mais les gars, ils nous ont pas donné le nom de l'arbitre jusqu'au jour du match. C'est faux. Bah, c'est quoi son nom C'est quoi son nom, les gars C'est quoi son nom C'est quoi son nom Cristobal. Cristobal. Soria. Cristobal Soria. Il a pas un Wikipédia C'est doigts, mais il faisait que de rigoler sur le terrain. On dirait qu'il était sous cocaïne. Je ne comprenais pas. Il rigolait avec tout le monde. Il rigolait tout seul. Euh, je, je... Cristobal Soria. Christobal Soria est un acteur. Hein Hein Chroniqueur et acteur. Les gars, je, je vois à aucun moment qu'il était arbitre. Hein. Je, si quelqu'un si quelqu trouve un truc où il est arbitre ou quoi, qu'il me le dise... Euh, je, je, en fait, c'est là, c'est grave, là, ce qui est en train de se passer, parce que... Euh, Attends. On m'envoyait un lien, on m'envoyait un lien. On m'envoyait un lien. Alors, Cristobal Soria, professionnel. Mesure présente, c'est Also compris du JS Significantly pour le Sevilla Football Club, Saved at the Field Delicate, from 2000. 2011, playing crucial role behind the scene. A. Began his involvement in the football world as assistant referee in second division B. When he dedicated 14 years of his career. C'est quoi seconde division B? C'est la Ligue 2 en Espagne? Des Il était assistant. Il était assistant. Les gars, il était assistant. Il tenait les serviettes de l'arbitre. Il sait même pas c'est quoi un sifflet. Ah. Et maintenant, il prend des photos avec Morad. J'ai vu que l'arbitre s'est pris en photo avec Morad. Je sais même pas si c'était vraiment Morad le rappeur. Je crois que le gars qui a chanté, c'était juste un bouc qui s'appelait Morad. Je fais même plus confiance à leur event. La tête d'OM, je pense que c'était juste un gars qui s'appelait Morad. Il était dans la rue. Donc, je dis, vas-y, viens, frère, viens. Fais le pré-show. Je, je sais même pas, frère. Je ne je, 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 je sais pas. Je sais pas, je vous dis la vérité. Bref, mais... En tout cas, les gars... Euh, je vous le dis, moi, il euh, n'y a pas de belle. <laughs> je sais qu'il y a des gens qui s'attendaient à une belle. Il euh, n'y aura pas de belle. Il a pas de belle. Euh, je, je, on, 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 a été, on nous a manqué de respect. Il y a eu du racisme. On n'a pas été défendu par le créateur de l'événement. Il euh, y aura pas de troisième match. Il y a eu du manque de respect. Euh, problème de confiance. Il y, y a pas de belle. Moi, c'est mort. Respect quand même à Coco, à, euh, à Gagnard. À J'arrive pas à dire son pseudo. Respect à Coco et à, et à Ga Est-ce que vous pouvez m'aider, les gars À Gagnard. Merci à Coco et à Gagnard. Merci à vous deux. Euh, eux ont été très honnêtes. Gagnard, il est venu avant l'événement. Il m'a dit on vous dit la vérité, on, on a remplacé les anciens joueurs par des joueurs forts. Il était honnête, il nous disait tout vrai pendant le match, il disait si vous voulez on arrête le match, je suis d'accord avec vous, en plus parler français. Les gars, ils regardent le YouTube français. Je vous jure, il m'a dit, il regardait Carlito et il regarde Michou. Le mec, il consomme, il regarde le YouTube français. C'était un bon de fou. Je vous jure, ils ont un. Coco et, et Gagnard, c'était des bons. Vraiment incroyables. Et Coco, je lui envoie de la force. Et quand il veut, s'il veut venir en France, s'il veut passer un live, Coco, t'es le bienvenu. Gagnard, pareil, vous voulez passer, vous venez au local, on discute en live, avec plaisir, vous êtes le bienvenu, on, on, je vous accueille en France comme des rois. Vraiment, euh, quand vous voulez les refs, et Coco, t'as toute ma force, parce que déjà, au premier 11 All-Star, il euh, y a des fils de pute d'espagnols qui sont partis lui envoyer des singes à lui, parce qu'il a, en gros, il disait qu'il n'avait pas fait un très bon match, ils sont partis lui mettre du racisme. Les Espagnols, ils ont fait du racisme sur leur propre joueur espagnol. Les gars, c'est une folie. Je, je... On est où Mais les gars, vraiment... Comment ça ça se passe Et le mec qui host ton event Qui fait l'event Enfin le mec qui porte le truc de ton côté Genre il parle même pas pour toi pour te défendre je... Mais c'est quoi ce mec DJ Mario sérieux c'est quoi cette tête à claque Mais Eh je... moi je ramène des gens Dans un bourbier comme ça Normalement t'es prêt à mourir pour eux Tu dois les défendre coûte que coûte Tu dois les mettre bien Tu dois faire pour que ça se passe bien pour eux tu, 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 faut qu'ils s'amusent. Faut pas que tu les ramènes dans un merdier. Ah Didier Mario, il est pas courageux, hein Ah franchement Didier Mario, il est pas courageux les gars. Je suis. Je... Ah c'est, c'est, c'est triste. Franchement c'est triste. Je. Donc bon, les gars pas de belle. Il euh, y aura pas de, il y aura pas de France Espagne. Je suis désolé. Euh... Ça va être quoi? On va, faire, on, va faire, on va faire une belle de trans espagne Je vais ramener les meilleurs, euh, les meilleurs joueurs de foot de France. Je vais ramener les meilleurs joueurs de foot d'Espagne. Euh. Les gars, je vais juste attendre la Coupe du Monde en 2026 pour, faire, pour voir les meilleurs joueurs français, les meilleurs joueurs espagnols s'affronter. C'est tout. J'ai pas besoin de DJ Mario pour ça. Hein. Et j'ai pas du tout envie de voir ça à gueule non plus. Donc, euh. donc, euh, donc voilà. Donc, euh, moi, je m'excuse parce que tout ça, c'est de ma faute. Quoi qu'on en dise, c'est ma, ma responsabilité. Euh, je le sentais un peu et j'ai fait cet événement malgré tout j'ai pris le risque et c'est pas de la victimisation les gars me dites pas non je sais pas quoi machin c'est c'est la vérité la vérité donc donc euh, donc euh, juste juste euh, j'ai joué bah je me suis je, je me suis brûlé, je me suis brûlé, j'ai retenu la leçon euh, et nous il y a des chapitres qui vont qui vont s'ouvrir après. Vous inquiétez pas, il y a plein de livres, il y a plein de livres tout neufs là, avec des, des couvertures, des. du, 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 du plastique, c'est bien fermé, c'est tout neuf qui, qui attendent juste d'être ouverts. Et voilà, c'est tout. Il euh, y a plein de choses qui vont arriver. Vous inquiétez pas, donc euh, c'est pas, pas un souci. C'est pas un souci. J'ai pas besoin de, de DJ Mario pour faire un événement. Je l'ai fait pas à la base, moi quand je l'ai fait, c'est par pure question, encore une fois, parce que moi j'aime bien tenir ma parole. Rappelez-vous, au match à la fin, on a promis aux espagnols qu'elle allait avoir un match retour. Ils m'ont dit Amine, ah tu l'as promis. J'ai dit c'est vrai, je ne peux pas vous mentir et vous trahir. Je vous ai promis un match retour, je ne peux pas disparaître. Je n'avais pas envie de le faire. Je n'avais pas envie de le faire mais je peux pas disparaître. Donc si je vous le promets, on le fait. C'est j'ai une parole, je suis obligé de tenir ma parole. C'est c'est comme ça. C'est comme ça. Et oubliez pas, c'est c'est pas c'est pas c'est pas un Eleven All Star. C'est pas un Eleven All Star. Donc donc euh, donc voilà. Euh... Les gars, j'ai juste oublié un truc. J'ai juste oublié un truc, deux secondes. Deux secondes, deux secondes, deux secondes. Attendez, hein. j'ai juste oublié un truc. Avant de continuer pour, pour la suite, hop. J'ai vu, j'ai vu les gars, vous inquiétez pas, j'ai vu. Mais ça, j'ai des trucs à vous montrer encore, hein, les gars. J'ai plein de choses à vous montrer, j'ai plein de choses à vous dire. Il y a des choses que vous ne savez pas. Il y a un supporter, il lui est arrivé de la dinguerie dans le stade. Attendez, attendez, J'ai pas fini. Vous croyez que j'ai fini <laughs> Attendez, je pas fini. Juste, ça c'est pour vous, c'est cadeau, parce que j'ai oublié. Euh... Attendez. Euh, tac. Merde. Ok. Les gars, euh, je vais mettre un post Insta avec des photos. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu avoir le maillot parce qu'ils ne pouvaient pas se déplacer, c'était pas dans les temps, il n'y en avait plus, rupture de stock. Les gars, c'est simple. Euh, je vais mettre un post Insta. Parmi les commentaires et les likes, je vais offrir 80 maillots. 80, j'en ai 80. Je vais tirer au sort 80 personnes. Je vais tirer au sort 80 personnes. Donc... Euh... J'en ai gardé de côté pour vous les offrir. Donc, les gars, je vais... Il n'y aura pas de gens qui vont attendre pour acheter, les revendre, les machins. C'est tiré au sort. Ceux qui veulent, vous venez. Vous commentez, vous likez le post. C'est moi qui distribue. Il n'y aura pas de truc bizarre. Il n'y aura pas de truc bizarre. Euh... Là, je vous mets le post tout de suite. Normalement, c'est en train de se poster, là. Je crois. Deux secondes. Aussi, dans d'autres pays, on vous l'envoie. Vous pouvez être en, 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 en... Au Portugal, en Antarctique, en Corée du Nord. En Corée du Nord, je sais pas si... Je sais pas s'il y a la livraison, mais... En Corée du Sud, euh, partout où vous voulez, on vous envoie. vous inquiétez pas. On vous envoie. Non, sur Instagram. Sur Instagram, les gars. Pas sur Twitter. Merci Philoupe. Merci Philoupe. Les gars, c'est en train de se charger. Ça m'a un peu de temps à se poster. Je sais pas pourquoi. Je crois que c'est les photos, euh, elles, elles pèsent lourd. Euh, attendez, parce qu'il y, y a des joueurs de l'équipe qui m'envoient des messages sur WhatsApp. Ouais, même Julien, il me dit que c'était un arbitre assistant. Franchement, la honte, les gars. Ils nous ont niqué sur l'arbitre. Hein. Vous savez que moi, là, au match aller, j'ai ramené une arbitre officiel. Hein. C'était un partenariat avec La Poste. Pour ceux qui connaissent le foot, vous savez que La Poste, c'est les, les partenaires officiels des arbitres de Ligue 1, Ligue 2, Nas euh, National 1. Et euh, j'ai ramené une arbitre officielle. C'était une arbitre officielle. Avec La Poste et tout, un truc carré, droit. On a ramené des enfants avec leur assaut et tout. C'était carré. Il n'y avait pas plus carré. L'arbitre, elle m'a parlé avant le match. Elle m'a dit Moi, je viens pour faire un vrai match. Je vais faire les choses carrées. Je ne suis pas là pour rigoler. Elle était intransigeante. Elle était incroyable. Eux, ils nous ont ramené. Frérot. Euh... Oh, pourquoi ça met du temps un peu à se poster, les gars. Je vous, je vous préviens quand. Je vous préviens quand c'est fait. Je vous préviens quand c'est fait. J'en ai espagnol. Bah exactement. C'est bon les gars. Les gars, le post il est mis. Le post il est mis. Si vous avez juste à liker, Mettre un commentaire et je distribuerai 80 maillots. Je vous tirerai au sort dans. Je pense dans une semaine. Attends, on se dit quoi Allez, euh, lundi prochain. Pas lundi demain, lundi l'autre. Lundi l'autre. Et je mets ça dans mon canal aussi comme ça au moins les gens ils voient directement. Euh, ok. Hop. Ça fait longtemps le canal. Maillot. Ok. On va enchaîner. Ok. Euh, alors, avant aussi, euh, j'avais besoin de parler de quelque chose, les gars, parce que il y a eu beaucoup de vannes sur les réseaux. On les verra de toute façon, parce que là, on va regarder un peu tout ce qui se passait, on va regarder les vidéos, on va réact. Euh, on va voir tout ce qui s'est passé, les temps forts, les temps problématiques, les temps drôles, tout, 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 tout de A à Z. Euh, le poste il est mis sur Insta, hein, vous pouvez y aller. Hein. Le poste il est mis sur Insta. Hein, c'est-à-dire euh, ceux qui veulent commenter, liker, aller, aller, essayer de gratter un, un truc, euh, vous pouvez y aller. Euh... Voilà. Euh, les gars, j'ai vu, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de vannes. Moi, les gars, vous me connaissez, je suis pas susceptible. Je m'en fiche, vous m'avez torpillé, ça m'a appelé l'Algerino, euh, ça m'a éteint, euh, ça a éteint tout le monde. SDM, ça l'a appelé euh, Nganou, frérot. Il euh, y a eu des vannes dans tous les sens. Euh, ma, ça a dit à Arsène, frérot, tu pas en défense automatique. Et j'ai vu les vannes, j'étais éteint. Bon, on en verra, il y, y en a eu plein. Il y, y, y en a eu plein. Je vais, je vais les regarder de toute façon. On a fait un truc. Euh, un truc pour regarder euh... il y en a ils m'ont appelé Kev Adams, frère, j'étais mort de rire. Euh, le, le... On, on va tout regarder, on va tout regarder, tout le monde à manger. Par contre les gars, juste sur certains joueurs, je trouve ça il y a là un peu fort comme je le dis. Par exemple Boumé, les gars Boumé. Je sais pas, peut-être il y a des gens qui s'attendaient à à, à à Ronaldinho Prime. Les gars, c'est un humain normal, oublie pas qu'il y a un contexte, on est là pour le divertissement, pour rigoler. Euh... Vous pouvez dire. Vous pouvez dire il a été mauvais, hein, vous avez le droit, encore heureux. Mais les gars, il y a des gens qui partent lui insulter sa mère. Il y a des gens qui partent lui insulter sa mère. C'est pas drôle, je rigole nerveusement parce que je trouve ça ridicule. Mais les gars, allez pas lui insulter sa mère. Euh, je, je C'est un match de foot, vous êtes des oufs. C'est pas un joueur En plus, c'est pas un joueur pro, c'est du divertissement. Euh... Les gars, je vous jure, je vous jure doucement. Doucement, euh, faites attention. Oubliez pas, des fois, c'est des humains. Oubliez pas, des fois, c'est des humains. Je sais que quand vous voyez derrière un écran, vous avez l'impression que c'est c'est des robots. Et je sais que vous vous dites, c'est le jeu, c'est Internet, c'est comme ça. Mais des fois, je vous jure, il y a une limite, les gars. Faites attention, je vous jure, faites attention. Il y a une limite. Je vous jure, il y a, y, a, y a une limite. Partez pas dans les insultes et tout pour du foot. Ah, je. 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 Ça sert à rien. Les vannes, on les prend. Les vannes, on les prend. Les gars, je vous le dis, on était tous dans le bus, dans les vestiaires, on regardait Twitter, on était en larmes, on se montrait les vannes que vous faisiez sur Inox, moi, euh, Billy, SD, de ça, on montrait les vannes, on était morts de rire. Mais les gars, il y avait un ou deux jours, ils étaient tristes. Je vous jure la vérité, ils étaient tristes parce que il y en a, c'était pas des vannes. Il y en a, c'était pas des vannes. Il y en a, c'était pas des vannes et faut, faut pas que ça aille loin, les gars, faites attention, il y a une limite à pas franchir. Mais je vous le dis, il hein, n'y a pas de susceptibilité, rien. C'est juste le respect, comme d'hab. Terminez-nous, c'est normal, c'est le but. Les gars, c'est du divertissement. On vous propose du divertissement, c'est fait pour vanner. Encore heureux, encore heureux. Moi, c'est tout ce que je souhaite en vrai de vrai quand il y a un match comme ça. C'est que ça se casse des barres. Et eux, justement, c'est ce que je vous ai dit avant, ils l'ont pas compris. Ils viennent, ils croient qu'ils jouent euh, l'Europa League ou je ne comprends pas. Kamel, ouais mais Kamel, Camel, c'est usant, en vrai Kamel c'est usant. Kamel c'est usant, Kamel on a compris, ça y est les gars, euh, ok, il est il est enrobé, il est costaud, ça y est c'est bon, ça y est vous allez faire la 23 ans, 4 ans, 5 ans. Ah ça y est, en plus je vous jure, moi je connais très bien Kamel, hein, il est même pas susceptible. Mais carrément je pense que ça fait chier plus les autres autour de lui que lui-même. Moi moi, moi ça, je, ça y est, au bout d'un ça y est c'est marrant mais... Vous, 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 ça y est, c'est bon, vous forcez. Ça, ça force, ça force là, je vous jure, ça force. C'est bon. Les gars, laissez-le tranquille. En plus, les gars, je vous jure, euh, il est venu, il était KO. Euh, il il s'est donné à fond, il a rendu service, il a fait plus qu'on lui a demandé. Il n'avait pas un rôle évident. Donc, euh, donc les frères, euh, juste voilà, juste ça. Mais on dira jamais non aux vannes, les gars, et jamais non aux critiques. Hey, on était éteint. Je vais jamais vous dire le contraire. On était éteint. Il n'y a personne qui dira le contraire, je vous le dis moi. Ouais. <laughs> on tue notre grand-mère. Mais, mais juste les gars, c'est du divertissement. On est là pour gollerie. <laughs> on est là pour gollerie. C'est tout. Et même au premier match, hein. au premier match on a gagné, mais on était éteint. Il n'y hey, a pas de... Mais le but c'est pas ça. Le but c'est juste de raconter des histoires, de se casser des barres, de créer des souvenirs euh, et de voir des gens sortir de leur zone de confort. C'est incroyable. C'est juste ça. Donc euh... donc voilà. Billy, on va en parler. On va en parler. Euh... Alors attends, est-ce que j'ai est-ce que j'ai oublié des choses? Est-ce que j'ai oublié des choses? Euh... T'avais quoi à la main Ah je vous raconterai, je vous raconterai. Eh, j'ai trop de trucs à vous raconter, je vous jure, il s'est trop de choses. Euh... T'as vu ce que SDM il avait dit sur toi Non. Euh, alors, euh... Je sais pas si j'ai oublié de dire quelque chose. Euh, le support... Ah oui. Euh... Bah vas-y, on va, on va, on va, on va réagir tout de suite. Le supporter. Oui bah Les gars, il y a un supporter euh, pour vous dire un peu que, que, que c'était vraiment pas évident et que c'était quand même un bourbier de venir. Il euh, y a un supporter qui est venu et euh, je sais pas si c'est un mec de la sécurité ou un mec euh, du personnel du stade, j'ai pas bien compris. Il y a un supporter qui se plaignait, qui faisait un peu de grabuche parce qu'il disait que c'était pas normal. Je crois qu'il s'agitait parce qu'un supporter français, parce que bah, je crois que ça lui jetait des trucs ou ça l'insultait, il y avait du racisme. pas exactement tous les étonnés aboutissants. Et euh, au lieu de chercher le pourquoi du comment, euh, t'as la sécurité ou le personnel, de... pas du stade, mais de, 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 de l'équipe. C'est la sécurité, on confirme que c'est la sécurité. Et bah, qui a cassé le bras du supporter. Il a fini à l'hôpital après le match. Il a fini à l'hôpital après le match. Euh... Non, non, c'est pas une blague. Les gars, je vous promets que c'est pas une blague. Non non vraiment vraiment et, et je vous jure c'est ça ça a ruiné euh, ça a vraiment ruiné la fin du En gros on m'a expliqué c'est quoi, il s'est levé Il s'est levé euh, juste pour aller récupérer un maillot Il y a un joueur je crois ou un membre du staff qui voulait lui donner un maillot euh, Il s'est levé pour aller le récupérer Et il y a littéralement un mec de la sécurité qui s'est jeté sur lui pour le plaquer au sol et il lui a cassé le bras J'étais là, c'est vrai. Ah bah voilà. Donc bon, euh, pas évident, pas évident. Euh... Moi les gars, je vous le dis, c'est pour ça que j'ai pas voulu. Je, je, je vous le disais pas parce que je, je peux pas vous dire ça. T'imagines, moi, je vous fais un événement et je vous dis les gars, venez pas. Je me suis dit non, je peux pas dire ça. Et vas-y, je vais croire en DJ Mario. Peut-être il nous a, il nous a fait une belle surprise. On va arriver, ça va être incroyable. Par contre, le stade était fou. Il y avait des supporters espagnols qui étaient géniaux, rien à dire. Les supporters français, vous êtes venus, respect. Des fois, vous faisiez du bruit, c'était incroyable, on vous, vous entendait. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui sont déplacés, vous êtes des rois. Je vous jure, à la fin, euh, j'aurais voulu rester même s'il fallait toute la soirée, mais je pouvais pas carrément. Ça nous a éjectés du stade. Euh, vous étiez incroyables. Merci de vous être déplacés. Vous êtes des monstres. Vous êtes des monstres. Et les gars, vous me donnez encore plus envie de refaire en France. Je vous jure, là, j'ai. J'ai vite envie de remettre les pendules à l'heure avec l'équipe et, et, et qu'on qu qu vous fasse un bête de truc, un, un, un bel événement. Mais vous verrez. Vous verrez, euh, vous verrez, vous verrez. Je vous jure, les gars, vous, vous, vous allez vous allez manger. Vous allez manger et pas que le foot. Pas que le foot parce que je sais qu'il n'y a pas que le foot pour vous. Il y en a, vous venez surtout pour le divertissement. Pas que le foot. Les gars, soyez prêts l'année 2025. Les gars, soyez prêts, je vous dis. Je vous dis vraiment. On va faire pour les Français et uniquement pour les Français. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'étrangers, il n'y aura pas d'inter, etc. Mais le but, c'est que si on sent que ce n'est pas satisfaisant pour nous et pour le public français, eh ben, on n'y va pas et fin de l'histoire, c'est tout. Donc, euh, donc merci à vous les mecs et, et, et vraiment, vous avez été des rois. Euh, les gars envoyez de la force à tous les joueurs Envoyez de la force à Saïd aussi Martav euh, Qui ont été exceptionnels Ils ont pris du temps Vous vous rendez pas compte de l'investissement Tous les joueurs aussi euh, Moi j'ai mes gars de l'ombre J'ai Abdel J'ai Julien J'ai Carnage euh, J'ai Salim J'ai euh, Samy euh, Paul Paul je sais pas si vous voyez C'est notre kiné euh, Avec la boule de cristal à la place du crâne <laughs> Il a un crâne tout lisse Les gars il a pris soin de nous C'était le meilleur ami de De SD SD il se faisait masser tous les jours par Paul donc, euh, notre Johnny Sins. Ouais. Donc voilà, les gars, je vous jure, l'aventure humaine, elle était monstrueuse. Il y a des vidéos YouTube qui vont sortir. Moi, je vais vous sortir une bête de vidéos YouTube de fou. L'aventure humaine a été monstrueuse. De toute façon, on va, on va un peu... Euh, je pense, venez, on réacte un peu. Les gars, je vous le rappelle, on, on va réacte tous les clips et tout ce qui s'est passé. Comme ça, je vais tout vous décrire parce que je pense que j'ai oublié des choses. J'ai tellement une mémoire de merde. Euh, oubliez pas, sur Insta, je vous ai mis le post. 80 maillots à gagner. Je t'y au euh, lundi pro. Et euh, et puis voilà. Et puis voilà. Donc euh, donc voilà. Le gage du Billy. Je vais vous en parler. Je vais vous en parler. Attendez, attendez. Soyez patient. Euh, ok. Ah ils ont. Ok. C'est un canal Discord avec tous les trucs. Ok. Alors du coup je fais ça. Je peux pas mettre en full écran ici. Euh... Attendez. Bah, je vais mettre mon casque. Ah. Amine parle du niveau de Tiki. Non mais Tiki c'est le frérot les gars. Tiki c'est... Tiki c'est vraiment le frérot. Tiki, euh, Tiki je, 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 je suis trop heureux de l'avoir ramené. Je vous jure, les gars, je, je suis trop, trop, trop heureux. Tiki et SD, hein, les gars. Franchement, honnêtement, dites la vérité, c'est deux recrues exceptionnelles, c'est des humains incroyables, Tiki et SDM. À quel moment tu, 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 tu peux pas, tu peux pas regretter de les avoir ramenés tu t'es es que eux, tu peux être que eux. Alors. Euh... Ça c'est bon, ça c'est bon. Ok. Les gars, dites-moi si vous voyez Vous voyez ou pas Ça c'est le premier clip. Attends, je vais mettre le son. Ouais, pas de son. Ah, si c'est bon. Vous voyez Ok. Les gars, s'il vous plaît, est-ce que c'est normal ça? La honte, j'ai juré la honte. J'ai juré la honte. Eh, hey, désolé d'être vulgaire, mais ça, faut leur baiser leur grand-mère, les mecs comme ça. Faut leur baiser leur grand-mère. Et, et je le dis, hein. Et tous les, 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 les créateurs de contenu là qui disent rien, qui font qui ferment les yeux, qui font comme si il se passait rien. Vous êtes des salopes. Vous êtes des vrais salopes. Parce que ça vous arrange de rien dire parce que vous avez peur de perdre ces mecs-là, bande de fils de pute. Vous êtes des salopes. Et les gars, je vous le dis, hein euh, euh... J'ai vu des tweets choquants. Les gars, j'ai vu des tweets super choquants. Il y avait des 6000 faves dessus. Je vais pas les montrer, les tweets. J'ai vu des tweets espagnols hier, de mecs qui disaient quoi euh, Ouais, euh, le match Espagne versus France. Et genre, tu vois, côté Espagne, une main blanche, et côté France, genre une main de singe. 6000 faves 6000 faves et genre d'autres espagnols qui dit Ah ouais, incroyable, tweet de fou, t'as raison. Wesh. Les gars. Pareil avec esclave noir, 11 000 faves. Les gars, c'est une folie. Les gars, c'est une folie. Je, je, je trouve ça fou. Je crois, je crois que je les screen sur mon téléphone, attendez. Je crois que je les screen, je vais essayer de le mettre sur l'ordi. Attendez, je les screen le tweet. Normalement je les screen, les gars. Ouais je l'ai. Ok, attendez, deux secondes. Je vous le montrer, je vous le montrer en deux secondes, attendez. Les gars, j'ai vu quand même une dizaine de tweets comme ça. Après, vous, je pense que vous avez dû en voir même carrément plus que, plus que nous. Mais. Attendez, je vais, je vais l'envoyer là. Tac, je vais l'envoyer tout de suite. Désolé, hein, je, je, je fais. Mais je pense que c'est important quand même de montrer ça parce que. Moi, je. Genre. Y a, y a, y a, y a même pas de vanne, rien. Genre, c'est juste être raciste. C'est être raciste et tout le monde dit incroyable. Je, je... Les gars, je vous jure, je trouve que c'est de la folie. J'ai je, 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 jamais vu ça de ma vie. Attendez. Les gars. Je... 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 Et j'ai vu genre une dizaine de tweets comme ça avec beaucoup de faves et j'étais en mode quoi Mais c'est une dinguerie. Je... je comprends pas, je vous jure, je sais pas, je sais pas comment c'est possible. Pas comment c'est possible. Ah, attendez, je reviens, je reviens sur, le, je reviens sur le, la scène, désolé. 18 000 abonnés le compte. Eh ben. C'est quoi ça encore C'est une des personnes qui nous faisait des signes racistes pendant le match. Et tout le monde l'a vu autour de nous. Mais pourtant, regardez qui est la sécurité va essayer de virer. Ah. c'est euh, tu, tu sentais qu'ils étaient tendus. Nous, on l'a senti aussi quand on arrivait au stade, que ça soit des joueurs, au staff, etc. On les sentait tous stressés, tendus. Ils nous regardaient méchamment. Euh, je sais pas l'atmosphère, elle était. L'atmosphère, elle était, euh, elle était étrange. Et DJ Mario qui dit, oui, j'ai vu son tweet, mais la honte, hein, La honte de tout ça. Tu t'es chié dessus devant ton public, DJ Mario. Euh, devant, devant euh, quasiment 40 000 personnes, tu t'es, tu t'es chié dessus, tu t'es fait dans le froc. Et es là, ta seule réaction, c'est un petit tweet en mention pour dire, mais non, c'est une personne parmi 30 000. Mais espèce de connard, va. T'as des tweets racistes avec 6000 faves. Qu'est-ce que t'es en train de me raconter T'as des supporters, ils se font jeter des cacahuètes, ils sont traités de salarabes. Je sais pas ce qu'il me raconte le Ningui là, qui, qui, qui se réveille un peu, là. Non, bon là, là c'est. Le... Là, on fait ça pour. Su là, ils font ça pour supporter, là, ça n'a rien à voir, là. <laughs> non, mais les gars, ça aurait pu porter à confusion, désolé. Mais je préfère quand même préciser, on sait jamais. Vous êtes des bons les refs, hein. merci beaucoup d'être venus. Hein. Vous êtes vraiment des rois. Hein. Putain, j'ai trop hâte qu'on fasse d'autres trucs en France, les gars. Je vous jure, c'est exceptionnel. Putain, je, je vous jure, j'ai vraiment, j'ai vraiment, 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 vraiment trop hâte. Yannou, nous, mon frère. Y'a nous, mon frère. Euh, les gars, free Palestine, free Congo, free Soudan, free World, free Liban aussi. On n'oublie pas les Libanais euh, parce que les Libanais, ils ont subi des choses très dures. Euh, les gars, vraiment euh, important d'envoyer de la force à tous les gens euh, qui, qui, qui subissent des choses lourdes. Euh, Fria, Haiti aussi, bien sûr. Euh, et, et les gars, vraiment, euh, vraiment, euh, je suis content que, que, que les gens soient de plus, de plus en plus décomplexés de parler de ce genre de choses. Je trouve que c'est important. Et il ne faut pas écouter les gens qui vous disent de, de fermer votre gueule et, et de rien dire. Les gars, battez-vous pour ce que vous croyez juste. Chacun donne le maximum pour ce qu'il peut. Il y a plein de causes différentes. Certes, une personne ne peut pas se battre pour cette cause différente. C'est sûr parce que je sais qu'il y a des gens qui, dès que quelqu'un se bat pour une cause, bah, demandent demande qu'ils se battent pour les dix autres causes. Ce que je peux comprendre. Mais si chacun peut donner le max de son côté pour chaque truc, les gars, on va pousser. Moi, si quelqu'un a besoin de ce fort pour... Un but caritatif pour un, 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 une cible précise, je, je, je vais l'aider. Si c'est pour autre chose, je vais l'aider. Je, je pense qu'il faut juste tous qu'on se tienne la main, c'est important. Faut pas créer de faut pas créer de, de concurrence de concurrence caritative ou malsaine. Vous savez ce genre de truc de qui est le plus en galère. Les gars, partez pas dans ce genre de truc, ça pue la merde, s'il vous plaît. Si vous voyez un truc pour une cause, peut-être qui vous vous touche pas ou vous êtes pas renseigné, c'est possible que ça vous touche moins, c'est logique, c'est normal, ça peut arriver. Il y a rien de mal à dire ça, hein, les gars. Il y a des causes qui vont moins vous toucher que d'autres, c'est ça peut arriver, c'est comme ça, oui. Bah parce que parce que il y a des touches, il y a des causes qui vont plus te toucher parce que tu vas peut-être te sentir plus concerné. C'est mais le but c'est de rester humain quoi qu'il arrive. La cause pour toi elle est inadmissible et tu peux quand même donner un coup de pouce et envoyer de la fort quoi qu'il arrive. Moi je, toutes ces causes-là, je les soutiens à mort. Il n'y a aucune différence et il n'y a pas de concurrence. On n'a pas une plus grosse que l'autre. On n'a pas une plus grosse que l'autre. Il faut juste se tenir la main et pas faire de concurrence, de se dire ouais mais et lui et lui les gars. Vous inquiétez pas, on n'est pas. Personne ne dit que ça, ça n'existe pas, ça n'existe ça pas. Il, 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 il faut juste y aller et céder. Euh... Moi, quand, 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 quand je vois tous mes frérots dans l'équipe, qu'il n'y a pas de blabla, on est tous dans la même direction et on est tous prêts à aider toutes les causes. Et bah ça me fait plaisir, je vous dire, ça, ça, ça me donne des frissons, quand, quand Brox il se fait insulter, euh, euh, ça lui fait des signes de gorille dans le stade, les gars, la tête d'homme, je, je voulais m'écrouler par terre, j'étais dépité, les gars, je vous jure, en plus, je sortais d'une semaine avec 20 000 problèmes, problèmes perso, trucs internet, machin, etc., j'avais 20 000 galères dans tous les sens, j'ai eu ce truc-là sur Brox, et sur les supporters, je, je voulais m'allonger par terre, je voulais plus bouger, euh, les gars, relativiser... Il y a des gens qui ont, qu ont des problèmes beaucoup plus importants que les nôtres. Euh... Prenez du recul. Allez vous renseigner. Moi-même, sur certaines causes, je ne suis pas bien renseigné, je vous le dis. Il hein. n'y eh, a personne qui est exemplaire ici. Hein. <laughs> on est là, on essaie de tous faire les mecs parfaits. Je suis pas exemplaire. Moi, les gars, je connais, il y a des causes. Il faut que je me renseigne plus encore. Je suis pas bien renseigné. Euh... Et, et, et voilà. C'est tout. Les gars, il y a. Y a, y a... Je vois des vidéos du Congo, c'est la folie. Euh, la, la vidéo sur les victimes en Palestine, elle dure, elle dure 20 minutes, c'est un court métrage, le truc. Vous avez vu le nombre de victimes, il y a des bébés, il y a combien de bébés Les gars, c'est important, hein. je vous jure, soyez juste des humains. Arrêtez de, 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 de voir par un prisme étrange euh, politique. C'est dangereux, les gars. Je vous jure, c'est dangereux. Une heure. Une heure la vidéo, les gars, vraiment. Vraiment, vraiment. Arrêtez, les, arrêtez de vouloir mettre votre prisme politique pour... Ça vous influence dans, dans, vous, dans votre soutien des causes. Vous, vous devenez... Vous, ça vous rend fou, les gars. Je vous jure, ça vous rend fou. Ayez un peu de cœur. Mettez votre cœur, s'il vous plaît. Soyez objectif. Prenez du recul. Euh, ça mange pas de pain, les gars. Je, soyez juste honnête avec vous-même. Regardez-vous dans une glace. C'est tout, les gars. Euh, attendez. What? Mais non, les Matrixés, vous partez en couille. Ah non, les Matrixés, vous commencez à casser la tête, là. Ah, les Matrixés de GTA, vous allez loin, là. Vous avez regardé le live sur GTA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Voilà. Plus le mec en mode spec, 20 viewers en moins. Voilà, si mère les mecs, les Matrixés, voilà. Viens vous. Merci, merci les mecs. Ah putain, ça ils me l'ont montré les jours après le match. Vous savez que j'ai pas vu, hein. Vous savez qu'au début, que vous savez que j'étais pas au courant de ça. Hein. <laughs> les gars, je vous jure que je n'ai pas, je vous jure par tout ce que j'ai de plus cher que je j'ai pas vu que la coupe est tombée. J'ai vu ça après le match. En plus, il y a Inox qui vient me voir. Ah, mais la coupe, c'est de l'imprimante 3D. Franchement, c'est mal fait, ça se voit. Moi je connais comment faut faire ce genre de coupe. Ils ont pas mis les moyens. Tu sais, il m'a fait le technicien sauvage là. Je vais vas-y, toi, laisse-moi tranquille. J'ai pas besoin de toi pour savoir que la coupe, elle est dégueulasse, elle est tombée. Elle s'est cassée en mille. on dirait qu'il y a eu du loot K-Pop de, de la coupe comme dans Fortnite. J'ai pas compris. C'est grave comment le truc s'est cassé. Mais comment c'est comment possible que ça rebondisse C'est quoi cette coupe en bois Je pensais que c'était un montage. Ah bah je vous le dis, c'est pas un montage. C'est pas un montage. Mais... Euh, mais... Après, je m'excuse quand même parce que... Euh, ça se trouve, il y a des gens qui ont bossé dessus et tout. Moi, je viens, je casse une coupe. En plus, je l'ai vraiment à peine touché. J'ai juste fait ça avec le bout du doigt. Je sais pas, elle tenait peut-être sur un, un, un petit bout de bois, j'ai pas compris. Donc euh, je m'excuse quand même parce que ça se trouve, il y a des gens qui ont bossé dessus, j'en sais rien, je sais pas comment elle a été faite la coupe. Euh. Ah, il y a nous, il y a nous gros match. Il hein. y a nous euh, les gars. Attendez, hop. Il y a nous les gars gros match, mais il n'y a pas, il plus besoin de le dire. Il n'y a, a, a vraiment plus besoin de le dire. Il y, y a nous, ça y est, on sait, on sait euh, un, des, un, des, un, des monstres, un des, monstres, de l'équipe. Euh, c'est la colonne vertébrale. Il fait partie de la colonne vertébrale. Donc, euh... Et c'est mon frère. Et je suis trop content. Je suis trop content que vous le kiffiez à ce point parce que bah, Yannou, je le connais depuis 9 ans. Et c'est vraiment mon ref, ref ref donc euh, ça me fait plaisir. C'est quoi ça Mais c'est quoi ça C'est quoi ça Et on va écarter avec Boumé pour Tiki. Le contrôle est parfait avec Tiki. Oh, ça passe juste au-dessus. Tiki qui divise complètement sa frappe. Et on va... Les gars, Tiki, après cette occasion, je vous jure comment il s'en voulait. Il arriva à la mi-temps. À la mi-temps, il est venu s'excuser auprès de tout le monde. Il était dépité d'avoir raté cette occasion. Il... Le pauvre, il s'en voulait à, à... à mort. Nous, on lui en voulait pas les gars il était super fort moi Tiki je le trouve trop fort au foot c'est un humain incroyable c'est le frère c'est le frère de chez le frère de chez le frère et euh, par contre moi j'étais là là et euh, j'étais plus loin et j'avais pas vu que l'action a était d'aussi près mais celle là à l'entraînement il la mettait tous les jours je sais pas ce qui s'est passé est- ce que c'est le stress la lucidité la fatigue Tiki, le contrôle... celle là à l'entraînement Tiki il la met tous les jours au fond tous les jours au fond je, je, sais pas, je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Peut-être la pluie, je ne sais pas. Peut-être le stress, il a glissé. Ah, il a dit qu'il a glissé, ok. Il a glissé, ok. Mais... S'il mettait ce but, c'était beau. S'il mettait ce but, c'était beau. Ça faisait 1-1 avant la mi-temps, franchement, c'était beau. En plus, à ce moment-là du match, si je me souviens bien, euh, on, on était vraiment en train de les dominer. Là, là, à ce moment-là, on était vraiment en train de les dominer. C'était... On, on commençait à leur marcher dessus. Mais bon, les gars, ils ont ramené 26 joueurs. Hein. Ils avaient 26 joueurs, ils faisaient rentrer euh, 3 joueurs toutes les, toutes les 8 minutes en première mi-temps. À chaque fois, on voyait 3 joueurs rentrer, on se dit, mais c'est pas possible, il y a 3 nouveaux joueurs. On, on dirait qu'ils créaient des joueurs euh, en club pro sur le banc. Il y avait des mecs, je savais même pas c'était qui, ils rentraient sur le terrain. 3 joueurs, trois nouvelles têtes, à chaque fois toutes neuves. Elles rentraient toutes les 8 minutes sur le terrain. Je me disais, mais c'est quoi ce bordel Ça finit pas, il y a tout le temps des changements, des nouveaux joueurs, ça s'arrête jamais. Mais des fois je me demandais mais c'est pas possible ils ramener des mecs qui, qui, qui étaient même pas sur la liste de la feuille de match. Je comprends. Très haut il y avait des mecs. Personne ne savait c'était qui gros. J'ai juré j'avais l'impression qu'ils qu venaient de, de modéliser les joueurs. Ah ok ok le, le, le truc le maître d'opéra. Ok. On n'entend pas grand-chose. C'est quoi ça Putain. les gars Non mais vous dites zac mais est-ce qu'on n'est pas sur un triplé là J'ai plus l'impression qu'on est sur un triplé là. Peut-être quadruplé, peut-être quadruplé. Peut-être quadruplé. Là. Les rêves, je sais que c'est le début du match, euh, la testo, tout ça, mais calme, euh, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe là Les mecs... Euh, les gars, c'était sur, euh, sur le terrain qu'il fallait développer le hacky de l'observation C'était pas dans les couloirs. <laughs> ah oh, putain, je suis mort et c'est trop marrant. Bon. Euh, Attends des merdes, c'est vrai. Ouais. C'est quoi ça? Oh là là, j'ai peur. DJ Mario entrando al vestuario visitante para darle las gracias por haber venido. Ah, c'est une dinguerie, les gars. En gros, en espagnol, il dit DJ Mario qui va, euh, qui va au, au vestiaire des visiteurs, en gros, dans notre vestiaire, pour leur remercier d'être venus. 1400 faves. Les gars, c'est une folie. C'est une folie, je le jure, c'est vraiment des fils de pute. C'est des fils de pute, les gars. C'est des racistes. La tête de c'est des racistes. Eh, c'est trop des racistes. Mais c'est une dinguerie. Eh, tous ces comptes là là, faut leur insulter leur grand mère et les signaler. Et me parlait pas de euh, cyber harcèlement, j'en vois je sais pas quoi, hein. je m'en bats les couilles, c'est un raciste, je m'en ba bats les couilles, je m'en bats les couilles. Eh, faut, le faut faire sauter ces gens-là. Ça c'est, ça c'est, 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 mais car, je crois qu'on réalise pas là, je, 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 carrément j'ai l'impression que je réalise pas assez. Mais frérot, on est en 2025, euh, en 2024 mais, mais comment c'est possible Le tweet d'en haut Il dit quoi le tweet d'en haut C'est une trophée Oh là là, attends, attends, attends quoi il dit, il dit quoi sur Coco les gars Dis quoi sur Coco J'ai pas compris le tweet là. Les gars, j'ai un espagnol, il est un peu bancal. Hein. Je suis un peu 6 sur 10 en espagnol. Quel est le trophée avec un M qu'ils ont offert à Coco Je ne veux pas qu'on me pense du mal. C'est parce qu'il y a un M sur le trophée et en espagnol on dit mono pour dire singe. Mais Coco frérot, je, je, je sais même pas pourquoi tu. Je sais même pas pourquoi tu y vas encore à, à ces événements, là. Je, je te jure, je sais pas si tu regardes ce live ou quoi, mais. Tu devrais même plus te pointer. J'ai juré que tu devrais même plus te pointer à ces événements. C'est... C'est... C'est une dinguerie... Michou Michou, mon gôte Carlito aussi mon goat. Carlito mon goat. Et à nous mon goat. Tonton le goat. Yabstam. Non, c'est trop les frères. <laughs> Il l'a porté comme un placard Ikea <laughs> Ah je suis mort Mais c'est son fils ou quoi Non Mais c'est grave Mais frérot je, je, je suis désolé mais je, la, 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 Il l'a porté comme un sapin de Noël Non SD c'est trop C'est trop le frérot SD alors, c'est quoi ce tweet encore Je vais quitter tout ça là. Alors, qu'est-ce qu'il dit Non, Mario, te equivocas. No fue una persona solo. Aquí tienes una prueba de los vergonzosos que fue ayer el ambiente. Estes video se ve perfectamente como piden que pisen y maten a y que decir el sonido de mono que escucha también. Todo el partido así, lamentable. Ok. <coughs> Ouais il nous faisait, il faisait des cris de singes en boucle en fait. Ah ouais, donc en fait c'était dans tout le stade quoi, il y avait des, il y avait des cris de singes par-ci par-là dans tout le stade, c'est une honte. Oh, ça traduit pas. En gros, en gros, euh, je crois que là, elle répond à un tweet de Mario. Je suis pas sûr. Et en gros Mario, je crois qu'elle répond au tweet où Mario dit qu'il n'y a qu'une seule personne sur 30 000, il n'est pas responsable de ça. Sauf qu'elle lui dit non non frérot, il n'y en a pas qu'une seule. Il y avait une ambiance générale quand même autour de ça, et il y a plusieurs personnes qui, en, qui faisaient des bruits de singe Et pendant toute la partie, et que c'est lamentable. Et, euh, et du coup, bah elle met la preuve avec une vidéo à un autre endroit du terrain et il y a encore des cris de singe. C'est quand même peut-être la quatrième vidéo, cinquième vidéo que je vois avec des cris de singes, je sais pas. Mais je sais pas s'il si a supre parce qu'il n'y a, le... a plus le truc. Donc. Euh... Vous entendez C'est meilleur en espagnol qu'en anglais. Non, les gars, vous abusez. Vous abusez, je vous jure, je suis bon en anglais. Euh... Alors. On l'a déjà vu cette vidéo. Ça, c'est quoi encore Les gars, c'est ce que j'ai dit. C'est pour ça que j'ai tenu ce discours aussi même pendant le match. Je ne peux pas généraliser. J'ai vu des gens dans le stade qui nous ont fait des cœurs et qui nous ont applaudi au, euh, au moment raciste avec Brooks. Il y a des gens qui nous ont applaudi, qui nous ont envoyé des cœurs dans le stade, des Espagnols. Donc, c'est dur de généraliser. Mais, tu obligé d'une certaine manière de, 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 de parler en effet de groupe. Si tu fais pas ça, il y a personne qui va se bouger le cul. Le cul. Si tu, tu tiens ce discours de non mais c'est que 2 sur 30 000 !» eh ben on va se dire bah c'est bon, c'est pas grave. A, sauf c'est pas deux sur trente mille, c'est pas deux sur 30 000, Donc si il faut légèrement généraliser, on va légèrement généraliser, mais il faut pas non plus mettre tout le monde dans le même sac parce qu'il y a des gens vraiment qui sont qui sont qui, qui, qui sont vraiment bons, ils nous ont fait des cœurs, ils nous ont envoyé des, des bons des bonnes des bonnes ondes, des beaux des... Franchement ils étaient ils étaient super gentils, il y a des espagnols, je parle avec eux, il y a plein d'espagnols à la fin qui nous demandaient des photos à nous les Français. Ils sont venus me voir, ils voulaient notre maillot, ils voulaient faire des photos avec moi et tout, j'étais choqué, ils étaient en mode vraiment fort, ah, te kiffe amine, etc. J'étais... J'étais en mode ok, ok. Euh, attendez. Ah oui. Les gars, d'ailleurs, merci à Alexandre Ruiz, le Goat. Franchement, et quant Domingo et Douagby sans soit match aller match retour. Bon, match aller, Domingo il jouait, mais les gars, quand même, au cast, c'est solide. On vous met des gens de qualité. Les gars, on vous met vraiment, vraiment des gens. C'est là, c'est des cracks, ces mecs là. C'est pas des clowns, c'est 10 sur 10. Euh, t'as l'expérience, t'as le journalisme, t'as l'expérience d'internet, t'as l'expérience du vrai journaliste sportif, t'as la vanne, t'as euh, la répartie, euh, t'as la voix aussi, parce que ils ont, ils ont des voix, ces mecs-là. Euh, ils savent mettre du rythme, franchement. Euh, moi, moi, je, 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 je trouve qu'ils gèrent énormément, vraiment, merci à eux. Hein. C'est des monstres, c'est des monstres. Mais ouais, l'arbitre, euh, l'arbitre c'est quand même inquiétant. Donc euh, on résume, hein, l'arbitre, il devait nous envoyer un arbitre professionnel espagnol. Il nous envoyait un chroniqueur de El Chiringuito qui a fait euh, assistant arbitre dans de basses divisions. Moi, match aller, j'ai ramené arbitre professionnel, euh, ramené par la poste, sponsor officiel des arbitres euh, et qui arbitre de manière professionnelle. Encore au moment où on a fait le match, c'était une arbitre en activité. Les gars, je, je, je vous jure, le mec, il était sur le terrain, je comprenais pas, il faisait que de rigoler. Je, les gars, je, je sais, je me répète, mais on se posait des questions avec les frérots, avec Boumé, Yannou, tout ça. Il venait, il faisait que de rigoler, de faire des blagues. Yeah, yeah je sais pas quoi, machin. J'ai l'impression que j'étais avec un acteur qui riche, j'étais à Hollywood, avec un acteur rempli de coke. Je, je me dis, c'est qui ce mec là C'est un acteur pour nous ou quoi C'est quoi ça Ah oui, je l'ai vu. En vrai, je méritais jaune. Hein. Je méritais jaune, en vrai. En vrai, je méritais jaune, mais il, il, il simule. Je vous jure qu'il simule, je l'ai à peine touché. Je vous jure qu'il simule, je l'ai à peine touché. Euh, je, je vous promets que c'est plus spectaculaire qu'autre chose. Vraiment, 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 vraiment. Il y a faute, hein. Il y a faute, il y a faute, hein. Il y a jaune, même faute, mais... Il exagère de ouf. Pour la douleur, là, j je l'ai à peine touché. Mais, mais frérot, regardez, regardez regarde, regarde ce qu'il fait à Michou, aussi. Oh. Les gars euh, troisième minute de jeu, à peine quelques minutes de jeu au début du match. Il y a un joueur, il vient, je sais pas c'est qui, il vient, il met un coup de coude dans le torse. Je, je, je galère à respirer pendant peut-être euh, peut quelques minutes. Je regarde la butte, mais je dis, mais c'est pas possible, c'est quoi là Il se passe quoi là Il vient, il met un coup de coude comme ça dans le torse. Je dis, mais, mais c'est quoi, quoi ce bordel Tweet de Coco. Ah, attendez. J'aurais dû tomber, j'aurais dû les gars. Mais je voulais pas rentrer là-dedans. Attendez, je regarde le tweet de Coco deux secondes. Je n'ai pas reçu d'insultes raciste. J'ai pleuré d'impuissance face au manque de respect envers nos invités au point de leur jeter des objets. Comment ça Attendez, je vous montre. Damesh contrôle tweet. Hier, vous n'avez pas subi ne serait-ce qu'un dixième de ce que Vinicius a souffert au cours de toute sa carrière, j'espère que tu as au moins réalisé ce que tu as dit à propos de Vinny. Ah ok, oui bon. pas que j'arrive pas à traduire le tweet en fait je sais pas si c'est la bonne traduction je, je sais pas comment je sais pas comment décrypter le tweet je sais pas si vous voyez ce que je veux dire en fait en fait j'ai peur de dire de la merde mais je sais pas s'il réagit au live que je suis en train de faire déjà dans un premier temps c'est la question la première question que je me pose là en faisant ce tweet le tweet, il vient de nulle part ou, ou c'est un peu une réaction au live que je fais là Je n'ai pas reçu d'insulte raciste, j'ai pleuré d'impuissance face au manque de respect. En fait, ce qui me fait chier, là, c'est là, là. Le manque de respect de jeter des objets. Frérot, j'ai l'impression qu'ils minimise On nous a pas jeté des objets. En, en fait, c'est juste là, là. Je sais pas, peut-être que je suis fou, hein, mais... Euh... J'ai l'impression que c'est un tweet un peu pour... Euh... J'ai l'impression qu'il y, 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 y a cinq Espagnols de l'autre côté qui lui ont envoyé un message en mode « Vas-y, frérot !» vas-y on compte sur toi on a besoin de toi pour que tu fasses un tweet et que tu vas-y tu tu sois dans le mi-froid mi-chaud tu vois t'es dans le tiède. Sois dans le tiède un peu dans ton tweet euh... bah c'est ce que j'ai pensé quand j'ai lu le tweet mais j'ai peur de dire n'importe quoi mais je, je le sens un peu comme ça le tweet en mode vas-y frérot tweet mais essaie de calmer le truc mais en même temps d'être un peu avec eux parce que tu peux pas non plus te dédouaner de ce qui s'est passé ah frère ah allez, allez. Je m'en bats les couilles, il n'y aura plus jamais de match, donc euh, je n'ai pas, pas non plus. Euh... Enfin, avec eux. Attendez deux secondes. Je repars sur le truc. Un peu bizarre le tweet, hein, je vous dis la vérité. <laughs> Un peu bizarre, mais bon. C'est pas grave. Ouais, mais Michou, euh, Michou ouais, petite agression sur Michou. Euh... Ils étaient, ils, étaient, ils étaient dans le combat et... et Michou, il a fait un match solide. Moi, je suis fier de Michou parce qu'il était investi. Il venait à tous les entraînements à l'heure. À l'heure. Et, euh... et c'est un boss. Moi, j'aime je, 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 beaucoup ce mec. J'aime vraiment beaucoup ce mec. Je vous jure. Je vous jure. Carrément, on se parle à la fin des entraînements. À chaque fois, on se dit, mais... On, on aimerait que les entraînements... En fait on voulait qu'il n'y ait pas de match et que les entraînements ils s'arrêtent jamais. On, on vivait une ambiance collective qui était folle et c'était trop bien. Ah. Arrêtez de mettre les All Star 2 Arrêtez Saïd il a pété un flot. <laughs> Saïd il a pété un flot. Je suis... eh, moi je le comprends. Saïd il est frustré. Il voit 20 000 joueurs différents. Euh, il voit des changements de partout. Il voit des problèmes de partout. Moi je le comprends Saïd. Je suis désolé. Moi tout ce que je voulais c'est qu'il ne se prenne pas un rouge et qu'il qu aille, euh, qu aille dans les vestiaires ou en tribune. C'est tout ce que je voulais pas. Mais moi je le comprends. J'ai juré, euh, regard noir. Saïd moi tu as tout mon soutien. Tu es mon frère. Et, et, et ça bouge pas. Ça bouge pas. Je, je le comprends à 200%. Bon, lui, euh, eux les escrocs. Wesh le nombre de likes, frère, c'est quoi ça, TikTok? T'en déjà vu? Les gars, moi je vais être honnête, il hein, y a faute. Hein. Qu'on qu on cherche pas plus loin, il y a pénalty. Voilà, je vous le dis. Euh, L'arbitre a fait beaucoup de bêtises de notre côté. L'arbitre, je vous le dis, il y a eu beaucoup, de... il nous a fait de la dinguerie à nous, mais là, 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 il y a Peno, là, là, il y a Peno, là il y a Peno. Il lui prend la cheville, les gars. Je vous jure, il lui prend la cheville. Vraiment, honnêtement, les gars, j'ai aucun intérêt. Je, je, je suis juste honnête, les gars. Je vous jure. Je Vous re -re regardez la vidéo et tout. Je vous promets que. Ouais, pourquoi, pourquoi ça met des sons comme ça sur TikTok Vous êtes fous. Non, mais les gars, c'est dans. Les gars, c'est l'adrénaline. C'est dans le truc. Il n'y a, de... a rien d'ambigu. C'est... Les gars, tu es dans le truc, dans le feu de l'action, euh, tu prends ton ref dans tes bras, euh... c'est pas ce qui se passe. Ok, bah, je tiens à m'excuser pour ce geste obscène, voilà, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, je tiens aussi à m'excuser pour ma coupe, parce que je me suis pas excusé quand même auprès des Français. Je suis venu avec cette coupe, t'es à l'Algérino, t'es à Adams. je m'excuse auprès de tous les Français pour ma coupe. Je suis désolé, je vais être comme ça pendant plusieurs mois, je dois récupérer mes cheveux longs. Donc, euh... voilà, désolé pour cette coupe faramineuse. Tiens m'excuser aussi pour ça, hein. voilà. <laughs> hein Non c'est une blague Ah ok c'est une blague Putain mais vous êtes débaisé. Mais vous êtes débaisé <laughs> Mais vous êtes des ouf Putain j'ai pris le truc premier degré J'ai pris le truc premier degré Non, frérot, alors, t'es le ref d'être venu le supporter français. Vraiment, t'es vraiment le frérot hein, d'être venu. Mais quand on supporte, c'est comme ça. C'est pas comme ça. C'est à la fin du match ça ou non, c'était au début, il y a les vestes

Je ne sais pas ce qui s'est passé entre les deux exactement, euh, mais Arsène, euh... ouais, Arsène, il a pas voulu se laisser faire. Je ne je, je, je sais pas ce qui s'est passé, mais il, il, lui dit, il lui dit des mots pas très roses. Il lui dit des mots pas très roses. C'est triste, c'est triste, c'est triste que ce qui ressort du match c'est ça quand même. Moi, moi je sais pas, ok, bon déjà je comprends pas qu'on puisse faire des édits sur ça, ça me fume de rire mais... Ce qui ressort du... Que ce soit ça qui ressort du match ça me rend triste. Et cet enculé là qui... qui... De, de raciste de merde là, il faut bien l'afficher, je m'en bats les couilles. Je trouve ça triste que, que ce soit ça qui ressort du match moi, je... Twitch hello. Qu'est-ce qui se passe encore Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe encore Tweet Shello, ok on va y aller. Je... Je sais même pas c'est qui les gars. Cello, c'est quoi le Twitter Mister Angelot. Ah c'est ça, ok. Mais non, les gars, voilà, arrêtez, s'il vous plaît, me, me, me faites pas aller là-dessus. C'est un mec qui refait des tweets racistes et tout. Euh... Les gars, j'ai pas lui donner de la fort, il va être refait. Faut, faut pas, faut pas les gars, s'il vous plaît, arrêtez de donner de la fort. Allez le signaler et donnez pas de la sephore. Moi, je pensais que c'était quelqu'un qui avait réagi. Hein. Carrément, je croyais que c'était un joueur espagnol. Montre. Non, il a mis un clip de moi et il a dit « Quelqu'un peut traduire, je ne comprends pas le camerounais. » Ah, les gars, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, je... je, je... Attendez, hop. En vrai, faut peut-être arrêter le contenu chez les espagnols. 13 nouveaux joueurs, Ibai n'est plus dedans. Ça a promis un arbitre pro, c'est un mec de Changuito. Le public 70% raciste. Et bien sûr, la Kings League. Ouais, après, je peux pas mettre tout le monde dans le même bateau, hein, les gars. Euh, 13 nouveaux joueurs, je suis d'accord. Ibai n'est plus dedans, je suis d'accord. Je pense qu'il y a une raison. Moi, moi, je pense, je vous dis honnêtement, je pense, je pense qu'il a senti la patate Ibai et que même il a senti que ça, ça partait dans un truc nul. Ça partait dans un truc qui sentait pas bon. Il, il sentait que c'était plus du divertissement. Moi, moi, je, je, je pense et, et je le remercie parce qu'il il a envoyé un message de, de ce fort au, à l'équipe et aux Français. Il m'a envoyé un, un, un WhatsApp où il... Les gars, moi, j'ai passé du temps avec DJ Mario. J'ai passé du temps avec Ibai. Quand j'étais aux états unis je suis resté 24 heures avec Ibai. On était dans le même hôtel, on a pris l'avion ensemble, on a discuté longtemps. Les gars, les deux, c'est pas les mêmes humains. Je vous le dis. Ibai, de l'extérieur, t'as l'impression qu'il est plus détestable que DJ Mario. Je vous jure, les gars, que c'est pas le cas. Il y a un gouffre entre les deux. Ibai, c'est un bon. C'est du cinéma. Tout ce qu'il fait, c'est du divertissement, mais sinon, c'est carré. Moi, je parle avec lui. Il y a rien, il y a rien de bizarre. Euh, il taquine, ok, il critique, mais ça, c'est le jeu. Tout ça, c'est le jeu. DJ Mario, frérot. Tu vois vous voyez, euh, euh, Peter, euh, Peter Petit Gros dans euh, Harry Potter 3 Tu vois les, les, les petits. Euh... Mais c'est qui ce génie Oh putain Ah putain c'est réel, c'est vraiment La 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 balle. mon hein. contrôle. C'est un bâtard, c'est un bâtard. Hey, vous savez que nous, je vous l'ai dit au début, dans le vestiaire, nous vos vannes, on les kiffe. Hein. Nous, on se les envoie, on se tape des bars, on rigole, on est mort de rire. Je vous le dis, vraiment, nous, ça nous fait trop rire. Ça nous fait vraiment trop rire. Bon ça l'a déjà vu. Ça c'est quoi Hein Ah. Ah ouais, je suis vraiment con moi. Ah ouais, je suis vraiment con moi. Ah ouais, je suis, ah ouais, je suis vraiment con, j'ai cru allait sauter du balcon. Là. Je, ah ouais, je suis vraiment un trou de balle. Ah ouais, je suis vraiment... Euh... Attends, mais... Mais Mais Jilsi, regardez comment les yombe. il vient de donner sa grand-mère, il vient de faire un salto. Et c'est Tiki qui supporte, regardez, il est dégoûté. Mais attendez, mais c'est pas bien ce que vous faites à Jilsi, là. Mais les gars, c'est lui qui vient de faire le salto. Non. non Regardez Gilles, il est dépité Gilles, il est dépité il, va... il vient me faire Il vient de faire un salto c'est qui mort Ah je suis mort Le pauvre il vient de donner sa grand-mère C'est pas lui qui récolte les lauriers Ouais Free Palestine, on n'oublie pas comme d'hab ça, ça bouge pas C'est quoi ça encore? Mais ceux qui ont ramené ça au stade, vous êtes des ouf. Hein vous êtes vraiment des ouf. <laughs> vous êtes vraiment des ouf. Ils ont fait la highlight de SDM. Les gars, le match de C. Si on doit parler des performances, le match de C, les gars, il est énorme. Jilsi, je suis je suis vraiment content de son match. Il a été énorme. Les hommes du match, de toute façon, c'est simple. C'est c'est Tonton, Jilsi, Yanou. Tonton, Jilsi, Yanou. Euh, pour moi, c'était c'est pour moi c'était c'était les les trois c'était les trois meilleurs de l'équipe. C'était les trois meilleurs de l'équipe. Et euh, les gars, vous me dites Tiki à Londres, mais le truc c'est que moi je connais Tiki à Londres. Et ils, ils ont fait un bon match. Hein. Mais j'ai juré j'ai juré que... que putain, ils sont, en fait, ils sont plus forts que ça. Ils sont plus forts que ça. Je vous jure, ils sont plus forts que ça. Et même eux, ils le savent. Ils sont mille fois plus forts que ça. Mais vous savez que s'il n'y a pas tonton pendant le match, vous, 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 vous savez que s'il n'y a pas tonton et, et nous, c'est la noyade. Hein. Je vous le dis, c'est la noyade. C'est vraiment la noyade. Il je... n'y a pas tonton et il y a nous les gars. Je vous le dis, c est... C est... C est... on est foutu. On est vraiment foutu. C'était, abusé. Moi, j'étais éteint. On n'était pas ouf le, 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 le tout le reste. Moi, en fait, le souci c'est que dès que je prenais la balle, je faisais contrôle passe. La, la, la vérité, euh, je dirais pas que je me suis chié dessus, mais j'ai pas fait d'effort. Genre, euh, je prenais la balle, je faisais contrôle pass. Et je... Au lieu je sais pas, de tenter quelque chose, aller vers l'avant, euh, je sais pas quelque chose, je faisais juste euh, je faisais juste une passe et je faisais rien d'autre. Mais par contre, les gars, ce qui est fou, les gars, ce qui est fou, c'est que, euh, C'est que... Euh, comment dire, c'est que j'ai récupéré un rouge du même mec que le premier 11 euh, All-Star. Hein. Le rouge du joueur du, deuxième, du match, là, c'est le même rouge au même mec au premier match. Sur moi, encore une fois. Wesh. Oui. Quel mot, oui. Mais on dirait qu'il était en mission contre moi, il m'a découpé. Le premier match, il m'enlève un ligament. Il m'a fait sauter un ligament à l'épaule. Et le deuxième match, il m'a découpé. Mais les gars, vous savez que pendant. Je... Peut-être, je sais pas comment vous le voyez de l'extérieur, mais j'avais l'impression de me faire découper pendant le match. Je, je sais pas ce qui se passait. Il y a tout le monde qui me mettait des coups. Tout le monde se faisait découper. Bah voilà. Euh. billy, vrai homme du match, putain, y a pas la vidéo y a pas la vidéo de billy je suis allé au match avec mon petit frère et au final un supporter espagnol derrière nous n'a cessé de nous lancer des objets et a tenté plusieurs fois de retirer mon voile. je tiens simplement à partager ce que j'ai vécu sans vouloir me plaindre. Ah, ça me casse les couilles, je vous jure. Ça me casse les couilles. c'est Vraiment, c'est la honte. Je vous jure, c'est la honte. Euh... Ok. Ça, je cherche l'action de Billy, sa mère, je la trouve pas. Je cherche l'action de Billy, je la trouve pas. Tout en haut. Ah ouais Ah, incroyable. Les gars, cette passe, j'étais mort de rire. Ça se voit, il s'est dit quoi Il s'est dit je vais jouer en une touche, ça passe ou ça casse. Nique sa mère, je sais pas où je vais la mettre. Mais si je la mets à un joueur de mon équipe, je passe pour un génie. C'est sûr, il s'est dit ça. Bon, les gars, ça, je vais vous expliquer ce qui se passe en fait. En gros, c'était le gage de Billy. Billy, il avait peur de se blesser parce qu'il a son event et tout. Et euh, du coup, on lui a donné un gage on lui a dit, écoute, quand tu rentres, tu, tu, tu prends la balle à la main. Tu prends la, la balle à la main et tu dois courir avec. Tu dois courir avec et tu, tu fous le bordel en gros. Tu fous un peu la merde et après t'arrêtes. Et voilà. Et euh, c'est ton gage. Il a même pas réussi à attraper la balle. Il a même pas réussi à attra attraper la balle. Les gars, je... on lui a même pas demandé de jouer avec les pieds. On lui a juste demandé de prendre un ballon avec les deux mains. Les gars, c'était le seul move. Il était sur le banc. Tout le match, il était sous un plaid. On aurait dit euh, Mon grand-père, il était sous le plaid comme ça. Un move, un seul move à mer, prendre la balle à la main. Il a raté, bis. Non. Mais, en fait, moi, l'enchaînement me fume de rire. L'enchaînement de la passe en une touche. Et après, il a une deuxième chance. Et c'est là qu'il se dit, bon, vas-y, là, je vais la prendre à la main. Il s'est dit, bon, vas-y, la passe en une touche. Il s'est dit, bon, avant de faire le truc de la main... Je vais tenter quand même un move. Il y a un monde. Je vais être chaud dans le match. Il s'est dit ça. Ah, ah, nique sa mère. Vas-y, je vais faire le gage. Je vais faire le gage. C'est bon, nique sa mère. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi, vas-y. Même ça, il rate. T'as avec une seule mission, Billy. Une seule. Et quand il a fait ça, il y, avait un, il y avait un petit malaise sur le terrain. Tout le monde se regardait dans le blanc des yeux. On s'est regardé avec nous. l'arbitre. Il regardait les gens. Il y avait une incompréhension. On était morts. On était morts. Putain. Voilà, je sais pas si j'ai raté quelque chose d'autre, les gars, dites-moi. Euh, tac, tac, tac. SDM. SDM, SDM, SDM. SDM, dès qu'un espagnol touche le ballon. Ah, C'est vrai qu'SDM son physique euh... Son physique il y a il y allait. Hein. Son physique il y allait. Hein. La compile. Il y une compile SD C'est quoi ce tweet encore de fou là Magnifique entrée Inox lors du 11 All-Star, une nouvelle réussite et cette fois-ci, sans cher pas. <laughs> Eh, il doit tellement en avoir un marre qu'on lui fasse la vanne du Sherpa <laughs> Une véritable opportunité avec Innoxtag Innoxtag qui va rentrer Le crochet pour donner le... Wouah Je l'avais pas vu, j'avais pas vu, J pas vu que à ce point-là Mais attendez, il l'a vraiment découpé Innoxtag qui va rentrer Le crochet pour donner le... Et je l'ai pas vu embrouiller SDM tout à l'heure, Une véritable opportunité avec Innoxtag Innoxtag qui va rentrer Le crochet pour donner le... Bâton. Mais je l'ai pas vu embrouiller SDM tout à l'heure. Ah ouais, il l'a découpé. Rouge. Vous pensez rouge C'est vrai que c'est un peu orangé. Hein. C'est un peu orangé. Mais attendez, mais il l'a découpé. Mais je l'ai pas vu embrouiller SDM tout à l'heure. Putain, mais c'est vraiment un zinzin. Ouais, ça c'était. Euh... C'était après ça. C'était après ou avant ça C'était après ça. Les gars, merci d'ailleurs. Hein, vous nous avez attendus à l'hôtel, à la sortie du stade, vous nous avez envoyé de la force. La 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 la. La 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 la. la, 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 la. ta mère, je te baisse ta mère, je vous baisse tous vos mères. Putain, hey, SD, je le kiffe, SD c'est le frérot. Les gars, moi SD, je vais à la guerre pour lui, il, a... il va à la guerre pour nous. C'est la relation, elle est... Elle est... Hey, les gars, SD, il est rentré dans le groupe, on dirait il était là depuis... On se connaissait tous depuis un an, on le connaissait depuis un an, c'est rentré naturellement. Tiki pareil, bon, Tiki c'est pas surprenant, mais SD, en vrai, euh, les gars, il... Pas même univers. Après, le truc, c'est que c'est vrai que SDM, pour ceux qui se souviennent... Euh, bah je le ramène en live depuis très longtemps. Euh, pour ceux qui se souviennent aussi de, de Nouvelle École, ça fait quasiment plus de deux ans là. Ça fait plus de deux ans que je l'ai déjà ramené dans plusieurs lives. Il connaît l'univers Twitch, les gars, il connaissait tous les streamers de toute l'équipe. Euh, C'est un boss. T'as vu il a dit quoi sur toi Non, j'ai pas vu. Interview SDM. C'est où ça Ah oui Alors voilà, attendez le plus gros vol arbitral du match, il est là. Et c'est là où tu vois que le mec n'est pas arbitre. Et que c'est pas son métier. Les gars, regardez, coup franc. SD n'est pas hors-jeu. On est d'accord jusque-là, tout le monde Là, ça, c'est un scandale. Hein. Ça, je vous le dis, c'est le plus gros scandale du match. Bon, dans sportivement, je parle, hein. parle extra -sportif. pas l'extra-sportif. Il pas hors-jeu. La balle, elle arrive. Elle est vers là. Personne ne touche le ballon. Yaman, Là, il y a main. frérot. Y a main. Et il n'est pas hors-jeu. Donc, il aurait pu récupérer le ballon. L'arbitre, il va voir la VAR. Il regarde la vidéo. Il dit il y a hors-jeu. Donc il n'y a pas main. Je, je... Il regarde la VAR 10 secondes. Il s'en bat les couilles. Il regarde la VAR. 10 secondes. Les mecs de la vidéo, ils lui mettent l'hors jeu là. Quand la balle elle est dans les airs, ils lui mettent leur jeu quand la balle elle est dans les airs et pas au démarrage de la passe. Le démarrage de la passe il est là. La passe elle démarre ici. SDM il est bien loin, il prend un élan de malade. Il est incroyable l'appel. 30 secondes, les gars, je crois que c'était la 80e minute, 85e tiens. Il y aurait eu 1-1, ça aurait fait un scénario de malade. La vie doit, même moi je suis espagnol, je le prends ce scénario. Ça aurait fait un scénario de fou, peut-être on aurait fait une séance de tir au but à la fin, ça aurait été exceptionnel. Mais voilà, comme c'est des tricheurs, ils ne sont pas là pour le divertissement. C'est des trous du cul. Et ça aurait pu faire un bête de scénario pour le match. Ça aurait été fou qu'on égalise. Eh non, euh, frère, c'est. Je, je voulais que je vous dise quoi. Franchement, c'est nul. C'est dommage. Parce que tu peux pas me dire que c'est une erreur d'arbitrage. Euh, un il y a aucun arbitre professionnel qui fait cette erreur. Aucun, aucun. Les gars, là, où tu me dis hors jeu là Où, où, il est là, SDM aucun arbitre professionnel, même anciennement professionnel, ne fait cette erreur. Ça n'existe pas. Aucun. 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 Ça n'existe pas. Jamais. Jamais. C'est du foutage de gueule. Mais bon. Ça les arrange les gars, vous savez quoi, c'est pas grave. Ils ont eu leur victoire, ils ont fait plaisir aux Espagnols. Là dans leur tête, ça y est, ils sont grave chauds, ils ont gagné, ils sont super forts au foot. En fait, c'est deux mentalités différentes. Moi je pense à l'événement, le divertissement pour tout le monde, que, pas que tout le monde passe un moment, eux ils pensent qu'ils ont gagné un match. Mais frérot, la réalité c'est que DJ Mario, mon frère, plus tu fais tes matchs, moins les gens ils sont intéressés par tes matchs. Je pense qu'il y, y a une raison. Je pense qu'il y a une raison, c'est que je pense que tu prends pas le bon axe. C'est pas la bonne chose que tu veux offrir aux gens. Vaya leyenda, tio Soria. Vaya leyenda. Frère, je, je, je sais pas, faut qu'il aille faire les anges, lui. C'est quoi? C'est qui? Il un supporter qui est rentré. Ah, c'était pas pendant, quand on a arrêté le match C'est quand on a arrêté le match, non Fils de tepu Fils de te pu, ça fait 20 fois que tu me t'éclats. Je vais te kenny. comme toi Bruce, c'est fini. Ah, <laughs> oh, vous êtes des bâtards. Oh, vous êtes vraiment des bâtards. Oh, vous êtes vraiment des bâtards. Les gars, Bruce, il voulait m'arracher. Hein. Il est venu me voir, il m'a dit Petit bâtard, va. Je vais te niquer, tu respectes pas les anciens. <laughs> Le tweet sur SDM en haut. Il est où Tu l'as C'est qui les reufs C'est qui les reufs Je pense que il s'est, il a dû, il a dû remettre toute sa vie en question là. Je, je, je vais pas peut-être une... enfin, je pense qu'il a dû passer un, il a dû. Tu sens qu'il a quand même un passif de d'animateur de mec qui a passé le Bafa SD. En plus, la tête d'homme, je crois que c'est réel. Je crois qu'il a vraiment un passif de mec euh, de surveillant, de mec albafa. SD. Tu le sens quand même, là. Il a tweet. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu le tweet, les gars. J'ai vu. Courtois Ter Stegen dites putain, on dirait les montages Facebook. Un, son équipe mes notes. La composition, ça se fait ça comme ça. Le gardien, pas mauvais. C'est un peu voté sur le but. Euh, je mets un 6,5. 6,5 pour Gilali Yannou. Franchement, Yannou. Jilali. VPN. Euh, pas VPN. VIP. J'y mets un 8. Quoi, VIP MVP. MVP, pardon. <laughs> euh, tonton. Très belle prestation de Tonton. Quand même pas mal. Donc, je lui mets un petit. Attendez, les gars, désolé. Carlito, euh, il au bout de 15 minutes de jeu. C'était quand même très très moyen. Franchement, je lui mets un 5. La moyenne. 4. 4. Rivanzi. Je m'en rivalis, je l'ai pas beaucoup vu, les mecs. Rivalis, euh, je lui mets un petit 4,5. Mimiche, franchement, Mimiche, il m'a épaté Il m'a épaté Mimiche, je lui mets un 5,5. Je suis d'accord. 6 à 6. 6. Boumé, mauvais match non. raté. Meilleur joueur de l'équipe, normalement, a raté son match. Trop personnel, trop individualiste, manque de passe. Donc on lui met un 4,5, on est normal. Alonso, Alonso, pas mal comme même. Alonso. 6-7, 6-7. Percutant, agressif. Amine. Franchement, Amine, euh, match, euh, match inquiétant. Il a rien fait de bon dans le match. Franchement, Amine, inexistant. Numéro 10, normalement, il devait jouer comme Michel Platini. Euh, là, ce soir, c'était plus Michel que Platini, je vous le dis gentiment. Amine, tu repartes avec un 2. Gentiment, Amine. Zachus. Déjà, il y a un problème à la composition d'équipe. Zac numéro 9. Là, déjà, ça déconne. C'est quand même pas Samuel Eto, tu je veux dire. Samuel Etienne, et plutôt que Samuel Bon, Zakus, parce que je l'aime bien. Fait des belles émissions et tout. Je vais lui mettre... Euh, 3,5. Tiki, franchement Tiki, on sent qu'il a du ballon. Il a proposé des choses, il a fait des choses formidables, enfin formidable, j'exagère. Il a tiré au cage aussi. Donc euh, Tiki, je vais lui mettre un et 6,5. tag c'est bon, t'as grand les Est, euh, ton chapeau tu peux le laisser chez toi. On a compris, c'est bon. Sois normal. Donc Inukstag. 0. Un double 0 même. Immédiatement. Ensuite, Billy. Billy à mon avis qui n'est pas rentré pour pouvoir euh, participer à son événement qui, euh, qui a lieu le 7 décembre. Vous n'êtes pas d'accord Il est rentré Ah bon <laughs> <laughs> J'ai pas vu, merde. <laughs> il est rentré quand Brooks, il était moyen. Hein. 5, on lui met 5 à Brooks. Bouzy, tétanisant. Une entrée relativement moyenne. Il aura dû nous mettre une caméra embarquée pour nous faire une euh, nouvelle vidéo, on, on, on se sera régalé. On va lui mettre trois parce qu'on est normal. Péfut comment pouvoir dire Dans le divertissement exceptionnel, Péfut. Par contre, euh, que ça soit dans les jeux vidéo, euh, sur un stade de foot, sur un terrain de tennis, euh, oublie. C'est-à-dire tu es complètement nul. Donc je lui mets euh, deux et demi, je suis normal. Yes encore. Que dire sur Yes encore <laughs> Ah putain. ah putain les gars voilà il était comme ça tout le match Billy Les gars Billy il était comme ça tout le match On dirait c'était le petit vieux Il était là il savait pas ce qui se passait il Regardait tout avec des yeux vides Un oh, petit papy Merci hein Merci les gars d'être aussi nombreux Je crois qu'on était quasiment un million C'est fou Je trouve ça fou je vous jure que je ne m'attendais pas du tout à ça, vraiment pour être honnête. Vraiment très honnêtement. Donc euh... Donc merci beaucoup les mecs. Hein. Merci. Euh... Attends. Oh, la compilation de PFUT. Alors là, si je vais pas la regarder...

Ah oui, il a bien regardé, quand même. Je <laughs> l'aime trop, c'est trop mon frère. Je trop, c'est trop mon frère. So around, yeah. Voilà Mais pas mal ahead. Mais pas mal Eh pas mal! Pas mal! Bon, bah, PFU, bravo, bravo pour le dégradé, hein. Toi, au moins, t'as réussi ta coupe. faut pas, faut pas dire que c'est le cas pour tout le monde. <laughs> euh, Dogby, qu'est-ce qu'il a fait Dogby En fait, qui est le frère d'une euh, nana avec qui j'ai passé un, un temps fou, euh, camarade de jeu euh, quand j'étais à Canal et autres. de jeu, gens... hein je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Quel okay. <laughs> Non je... Ouais, c'est. La mi il est bien longue. Il est fou celui-là, il est fou 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 Marc, je t'envoie vraiment qu'il est. En fait, qu'il est le frère. <laughs> Attendez, mais. Mais c'est un ouf Eh, Dog, il est trop fort pour ça, il aime trop ça. Et, et J'aime trop ça. Mais il est malade Putain, mes doigts que t'es fou! Alexandre Ruiz il est marié, il a deux gosses! Vraiment, qui est, en fait, qui est le frère d'une. Euh, je suis qui mort de rire! un, un temps fou, euh, camarade de jeu euh, quand j'étais à Canal et autres! Camarade de jeu, hein! Je sais pas pourquoi j'ai fait ça! Okay. Eh <laughs> <laughs> hey, les gars, Walid Wali sax il a trop pété le cerveau de tout le monde, je vous jure! Ça c'est de sa faute, hein, je vous le dis! Je vous jure c'est de sa faute! Bon, respect à Michou, qui a fait un très bon match, guerrier, rien à dire, je l'aime, mais le maillot brésilien, bon. Vas-y, c'est pas non plus, faut pas non plus. Énorme erreur d'arbitrage. Non mais cette erreur là, c'est un scandale, je suis désolé, mais. Eh, hey, je chiale pas sur l'arbitrage. Hein. Pas du tout, mais je suis désolé. Les gars, ça là, ça, ça, ça existe dans aucun match de foot. Cette erreur d'arbitrage, elle existe dans aucun match de foot. Aucun Aucun. Il a tweeté l'arbitre le, 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 L'exhibition Mia de Ayer Arbitrando en el patizado 5, de Berian de ponerse Los Chavales, Rovenes, piensan Arbitral, en el Colegio de Arbitros. Ah ouais mais en fait il se trouve super chaud en gros Ah les gars ils il trouve qu'il a été euh, super fort euh... Mais il saute là il... il est malade ce mec Mais frère Euh... EDM, tu rentres. Ah, c'est donc réel. C'est réel. Ah, faute, faute, erreur, erreur. Change-moi, change-moi, change-moi. ça. Ça, ça, ça. Oh, chaud. oh. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau. Euh... Je te jure, je l'ai à peine touché le mec Mais Inox, il se fout de notre gueule, lui. Hein. Inox, il se fout de notre gueule. Il, il se fout de la gueule du monde. Comment ça? J'ai à peine touché le mec. Amine quand SDM lui a dit que c'était un enculé. Ah ouais, il m'a dit ça Quand Je me souviens même plus. Il veut trop des édits de TikTok. Mais comment ça Attends, comment ça Les refs, j'ai même pas TikTok Ouais, j'ai 21 000 faves Les gars, j'ai même pas TikTok, frère Mais non Mais les gars... Les gars, je vous jure, c'est un moment... Vous savez pourquoi j'étais yombe Parce qu'il y avait tous les joueurs dans les vestiaires et moi, on m'a dit de rester pour des interviews. On m'a dit de rester pour des interviews alors que tous les joueurs, ils étaient dans les vestiaires ensemble et moi, je devais rester au bord de la pelouse. Il n'y avait plus aucun joueur et j'étais yombe de fou J'étais dépité frère, j'avais envie de rejoindre tout le monde. Putain. <laughs> interview. De quoi interview Interview SDM, mais je, je sais pas où elle est. C'est coyon, mais j'étais dégoûté en gros. SDM Highlight, faut, faut, faut que je le trouve le clip. J'ai vraiment des fous d'être venu avec ça. Faut que je le trouve. Euh... Mais ce chien, là, dans sa tête, c'est l'homme du match. Il a joué 5 minutes juste pour tirer un penalty Gros. Je... Ah c'est le tacle après Michou. Les tétons de DJ Mario, non mais c'est un montage les gars, c'est un montage. Enfin, je trouve pas le truc de... que vous me dites. Est-ce que peut-être ils l'ont remis en haut Non, ils l'ont pas remis. On stream les interviews avant le match. Ok, attendez deux secondes, bah je le mets, attendez. Deux secondes, je mets ça tout de suite. Don't panique les mecs. Euh... les gars euh, là là on va continuer le stream encore un peu comme ça je vous, je vous dis pas mal de choses mais euh, demain demain j'ai une annonce hein. demain j'ai une annonce pour ce qui va se passer par la suite Là, je préfère vous prévenir, donc soyez là demain. Euh, attendez, je cherche le truc. Vous voulez que j'aille dans ma rediff ou que j'aille sur Twitter récupérer l'interview de, de, de SD Rediff direct Ok. Oh putain Cette vidéo est réservée aux abonnés. Abonnez-vous pour regarder et soutenir Amine Mathieu. Mais c'est ma chaîne c'est ma chaîne! Ah, c'est bon. Putain, ça a combien de minutes? SD SD, 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 Ok, les interviews, c'est là. Michou, Chiki, Il a dit quoi, SD, SD? Le match, il a commencé là. Attendez, je cherche SD. Je trouve pas. Carlito, est... ça. Boumé. Ça, Saïd. Ah, je trouve pas celle de SD, c'est vers quand est... Ah, 49ème. Ah, oh, vous êtes des boss. Mais vous avez vu ce couloir-là, au bout, ils vont sortir les acteurs pour porter éventuellement. <coughs> par... Il euh, y a un joint, un joint maillot lyonnais, là, Conto. 49-50. Ah, Il y en a pas mal. SDM et les équipes sortent. Euh, ça va, ça va. Après, moi, j'ai des petites douleurs par-ci, par-là, mais ça va. En soi, je me suis senti bien. J'espère que j'étais pas trop naze. Résumé la musique de... Super content, super content parce que depuis un déjà j'avais déjà envie de jouer de ouf. Ça veut dire que j'étais en mode euh, voilà, super content là d'accompagner l'équipe en plus à Madrid. De, je me suis dit voilà, merci mon gars. Voilà, merci mon gars. Physiquement non, je suis, je, je suis encore loin d'être au top. Physiquement non, je, mais euh, ça va aller là petit à petit. Là je suis avec mon gars euh, Paul Lequinet. Kiné. On travaille tout doux. Mon mal de dos, et après, vas-y, ça va le faire. Va... Eh hey les gars, la rumeur, je sais pas, il y a des gens qui me disent Tchakola refusé. Les gars, j'ai jamais appelé Tchakola. Je n'ai jamais appelé Tchakola. Je sais pas c'est quoi cette info qui circule. Je l'ai jamais appelé. Le seul rappeur que j'ai appelé pour cet événement, c'est SD. Tchakola, je l'ai appelé pour le concert du premier Eleven All-Star, mais il pouvait pas, et il y a une raison logique. Les gars, il y a une raison logique de sponsoring qui collait pas. C'est tout. confiance en mes qualités Ça va être la guerre. Je m'attends à des euh... mais c'est pas grave. Hein. Moi, en vrai, j'aime bien quand je suis en, en terre inconnue. Euh... Voilà, quand, quand c'est un peu chaud. Je dirais en quand même. Ils sont Quoi? un bel en... Je suis sûr qu'ils sont tous passés. Ils ont bien un mot gentil et tout. Moi, je dirais en Amine est... Amine est un bel en en espérant que ce ne sera pas censuré sur le live. Donc voilà, je suis... Ferme dessus. Qu en <laughs> Malgré que tu m'aies donné l'opportunité de jouer ce match. Et je te remercie beaucoup. Et tu restes un en... sombre <laughs> <laughs> Les fim ter vide Putain. Putain. Les fim ter Mais les gars, il l'a dit combien de fois Il l'a dit au moins 8 fois Non, SD c'est vraiment le frère relation naturelle c'est notre frérot je vous jure les gars la relation elle est folle carrément j'ai l'impression on parle on est potes depuis après le match on est resté discuter jusqu'à 6h du match euh, avant le match on était en chambre d'hôtel on était là en train de se battre dans la chambre d'hôtel on faisait n'importe quoi ça fait que de se torpiller non mais les gars on était plein dans la chambre d'hôtel on était six, genre parce qu'en fait, à chaque fois dans les chambres d'hôtel, on se rejoignait dans la chambre de Paul, le kiné, pour qu'il nous masse. Putain, mais en fait, plus je raconte l'histoire, plus c'est louche, là. Bon. Vas-y, je, je vais arrêter de raconter l'histoire. Alors, vas-y, c'est bon. Les gars, euh, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. En vrai, de vrai, je, 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 je suis en train de réfléchir à ce que je pourrais dire de plus. Euh... Je sais pas si j'ai oublié des choses. Quand même... Je remercie quand même tous les subs. Merci Djebou, merci Alès Castellano, merci Mister, merci moi Lefo, Lei, Eternai TV, merci Vovo, Ajalcap, Akashi, Minato, Uni TV. Merci beaucoup. Euh... <coughs> De quoi ta main Ton bras Tes bandages. Ah, mon bandage, je me suis ouvert. Je me suis ouvert. Les gars, je, je, je vais vous le dire, on a fait un corps à corps avec SDM et je me suis retrouvé contre le mur et j'ai cassé une lampe avec mon bras et il y a un bout de verre qui est rentré dans mon bras. Les gars, je vous jure que c'est vrai, je vous jure que c'est vrai, je vous jure que c'est vrai, il y a un bout de verre qui est rentré dans mon bras, j'ai pissé le sang de partout. Et aussi je protégeais euh, je protège ça là, les broches de métal. Je fais attention parce que j'ai pas envie de me, me bousiller. La coupe. La coupe que j'ai cassée ou ma coupe de cheveux catastrophique ah les gars, euh, ma coupe de cheveux, je me suis déjà excusé, vous voulez que je fasse quoi de plus Les gars, je suis en train de faire repousser mes cheveux, euh, vous voulez que je fasse quoi de plus mais, euh, mais en gros les gars, déjà, je vous remercie. Je vous remercie d'avoir écouté. Euh, pour faire un résumé, l'épisode Espagne, euh, Eleven All Star, Espagne, c'est terminé. C'était le match retour déjà, c'était pas un 11 All Star, mais c'est terminé. Euh, je crache pas dessus non plus, parce que c'était une expérience, on a appris... Euh, il nous arrivait des galères, il nous a arrivé des belles choses, il s'est passé des tonnes de choses différentes. Ça raconte quand même une histoire. Vous avez vécu une aventure. Maintenant, ça va, il faut passer au chapitre suivant. Euh... Merci à toute l'équipe. Merci à Grim qui est venu en tant que mascotte, qui s'est encore incrusté dans mon live. C'était incroyable. Merci à Saïd. Merci à Martav. Euh... Merci, euh, merci à, 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 au cast. Merci à Alexandre Ruiz, Canto, Douag. Merci à tout le monde. Et, euh, et voilà. Euh, la Marseillaise. De quoi la Marseillaise Pourquoi oh, vous me dites la Marseillaise Attendez, les gars, attendez. Merci à Domingo. Merci à Domingo aussi, le pauvre qui s'est blessé, qui n'a pas pu participer à l'event. Et je pense qu'il s'en qu mordait les doigts. Ah, ils l'ont coupé la Marseillaise on n'a rien entendu. Les gars, je vous dis la vérité. Je pense qu'ils ont même pas fait exprès. Leur prod, elle était tellement catastrophique. On n'entendait nous-mêmes pas la Marseillaise quasiment à un moment donné. Et les Espagnols, ils croyaient qu'à un moment, c'était à leur tour euh, l'hymne. Alors qu'en fait, la Marseillaise, elle était en train de continuer. On ne comprenait rien. Et on comprenait rien. Bref. Et bref. Euh... Et euh, qu'est-ce que je voulais dire Et. Euh... Et qu'est-ce que je voulais dire J'ai oublié. Euh, les gars, cette semaine, euh, il s'est passé un tas de choses, on en reparlera. Euh, il s'est passé des choses sur internet, dans ma vie perso, dans 20 000 trucs. Il euh, y a des choses, euh, je vais pas. Euh, je vais. On va, on, va, on va quand même attendre pour en parler. C'est pas le moment. Demain, euh, je dois vous faire une annonce parce qu'il y a un nouvel arc qui arrive. C'est pas un arc que vous, à, auquel vous vous attendez du tout. Je préfère vous prévenir. Pas du tout, vous n'allez pas le voir venir du tout. Mais vraiment pas du tout. Euh, et, euh, et voilà. J'ai vu aussi des gens euh, me prendre la tête un peu avec le délire euh, le délire euh, Bully. Comme quoi j'ai Bully euh, Billy euh, Et en vrai, je souhaiterais quand même m'expliquer sur ça parce que de manière hors contexte, je peux capter que vous ayez cru ça parce qu'en fait, vous voyez deux mecs qui se sont jamais vus. Un mec en plus qui est plus jeune que moi et euh, je l'arrache un peu et vous vous dites mais pourquoi il fait ça Il a la haine contre lui ou quoi Sauf que ce que vous ne savez pas, c'est que dix euh, jours avant, on était pendant trois jours au Maroc avec lui, Kamel, Billy et euh, Sergo, un autre gars, et on n'a fait que de s'éteindre. En fait, on s'est connus là-bas et on n'a fait que de s'éteindre. Ça se faisait des gages, ça te mettait des patates dans le ventre, ça, ça faisait euh, des gages, ça m'a ça fait faire des dingueries à moi. Ils m'ont fait faire des dingueries, c'est filmé, c'est dans des téléphones. Euh, ça se torpillait dans tous les sens. Et en fait, nous, on est arrivé dans ce live-là. Avec, avec ce truc-là en tête. Et même moi, Billy m'a dit, ouais, euh, m'a di, dit, ouais, en tant que caster, je veux que tu, euh, je veux que tu torpilles les boxeurs, tu vois. Et, euh, et nous, pour nous, vous savez que tout, tout était, tout était euh, normal pendant le live. Carrément, quand on est sorti on était choqués de, sur les réseaux. Même moi, j'étais choqué. J'étais choqué. Donc, euh, et, et j'ai pas compris. J'étais en mode... Euh, mais hors contexte, je me suis dit, en vrai, si je peux comprendre, parce que les gens savent pas qu'on se connaisse, donc du coup ils ont dû se dire wesh, Amine il est là, il est un inconnu, je sais pas, peut-être il a la haine contre lui ou je sais pas, alors que non en fait on se connaissait, on était comme ça euh, ensemble. Et vous pouvez pas trouver un live de moi, enfin je vous mets au défi de moi qui qui qui, euh, qui un streamer inconnu ou un youtubeur inconnu ou je sais pas quoi que 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 je vais euh, prendre et torpiller en mille comme ça, ça n'existe pas jamais de la vie hors contexte. C'est pour ça que je vous en veux pas. Après, je donne quand même beaucoup d'amour à tous ceux qui m'ont défendu parce que vous me connaissez et j'ai retenu... Je vous jure, j'ai vu tous vos noms et tout. Je vous jure, je vous, vous envoie vraiment beaucoup d'amour. Vous êtes des boss parce que vous savez très bien, vous êtes là depuis longtemps. Et... Et voilà. Et voilà, donc... Euh... Et après, je vois, les gens, ils ont débordé. Ils ont commencé à chercher des endroits où je vanne les gens. Genre, Ils ont pris le, le moment où je commence à vanner la veste en cuir de Michou. Ils ont dit « voilà Voilà, vous voyez Amine ah les gars, s'il vous plaît, les gars qui a jamais vanné les sables de ses potes pour rigoler, euh, c'est comme ça. Euh, vous avez jamais fait ça de votre vie ou quoi Je sais pas. Faut, faut. Oh, moi, je sais qu'on n'a pas tous la même sensibilité. Ça, je l'admets et je l'accepte. Il y a des gens, ils ont une fragilité. Vous pouvez être fragile, les gars. Moi, ça ne me dérange pas. Vous avez le droit d'être fragile, d'être des gens susceptibles, euh, de pas aimer de vous faire vanner, Mais par contre, forcez pas les gens à être fragiles. Restez fragile dans votre coin. Soyez susceptibles dans votre coin, mais venez pas rentrer dans les délires des gens et nous forcer, nous, à être fragiles, susceptibles et pas supporter les choses. Chacun sa sensibilité. Moi, ça, je l'accepte. Il y a des gens qui supportent pas les vannes et trucs. Chacun accepte les choses comme il veut, mais forcez pas les gens à être comme vous. Si vous êtes des gens pas très drôles, vous, vous, vous êtes plutôt calme, etc., restez dans votre coin, au fond de la salle. Voilà, vous êtes calme. Vous avez le droit. Moi, je respecte à fond. Juste, essayez pas de rentrer dans les délires des gens et vous voulez qu'on soit comme vous. Non, les gars, restez dans. Chacun, chacun à sa place. Chacun à sa place. Euh... Après, si vous voulez me voir comme un, comme un, comme un méchant, euh, bah vas-y, je suis un méchant, tant pis pour vous, il n'y a aucun souci. Moi, bon, ça me va. Mais voilà, Mais euh, je, pense, je pense que c'était important, euh, important d'en parler parce que, je, je, les gars, je vous jure, on n'a tous pas compris. Même euh, Billy, il était là, il m'a dit, euh, mais. J ai, j ai... Il, voulait, il voulait tweeter carrément Billy. Billy m'a dit mais je vais j'ai envie de tweeter parce que c'est pas normal là les gens ils sont à côté de la plaque. Tu es un grand méchant à mine ah moi bon, les gars moi je vous dis je vous dirai jamais que je suis un gentil ou quoi hein, ça euh... moi je suis juste là pour rigoler et pour faire vivre des bons moments toute l'équipe vous pouvez aller demander à tout le monde il y a personne qui a été maltraité dans toute l'équipe de foot là aller les voir tous un par un, etc. Ils sont tous heureux, ils veulent tous revenir, ils veulent tous refaire l'aventure. Personne n'a vécu un moment, c'était un moment incroyable, que ce soit après, avant l'event, on a vécu une aventure de fou, et je pense que vous le voyez. Vous voyez les vidéos, tout le monde, vous les avez regardées. Ça se sent, ça ne triche pas. Tu vois quand des gens s'éclatent ensemble, rigolent ensemble. Tu, tu vois que c'est naturel. Il n'y a, a pas de mytho. Il n'y a pas de mytho. Donc... Euh... Donc voilà. Les gars, je sais qu'il y a certains sujets aussi que vous voulez que j'aborde. Euh, C'est. C'est... Attendez un peu. Attendez un peu. Ok? Vous prenez pas la tête, attendez un peu. Euh, moi, je souhaite vous remercier dans un premier temps. Euh, prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Merci pour la force. Les gars, on se capte demain. Euh, demain ça sera pas un grand live donc soyez là. Soyez là, demain ça sera pas un live super long. Donc soyez là. Euh, parce que demain, ça annonce un peu la suite des streams sur trois semaines là. Vous verrez c'est quoi. quoi, jamais vous trouverez c'est quoi Jamais vous trouverez c'est quoi. Merci Juan Oireb, pour les subs, merci beaucoup. Quelle heure euh, J'essaye de venir à 20h, 20h30, ça vous va Non les gars, c'est pas GTA, c'est pas GTA. Mais, mais Matrixé, soyez patient un peu. 20h, 20h30. Ok Ok, tu seras là 21h. <laughs> Les gars, je le répète, 80 maillots de l'équipe à gagner sur Instagram. Je tire au sort. Vous avez juste à commenter et liker sur mon Instagram Amine Mathieu. Et euh, je vous tire au sort lundi prochain. Pas le lundi demain, le lundi de la semaine prochaine. Ok il y a 80 maillots, peu importe où vous habitez. Sud de la France, Est de la France, euh, Ouest de la France, Bretagne, Nord, Département de l'Eure, Champagne-Ardenne, Corse, euh, Monaco, Canada, Corée du Sud, peu importe, Afghanistan. Je vous envoie le maillot, vous inquiétez même pas, vous pouvez tous participer. Là, vous likez, vous commentez. Donc, euh, donc voilà. C'est toi qui livre, non. Par contre, euh, va pas trop loin. Va pas trop loin, frérot. J'espère juste que en dehors de, de, de tout ça, moi c'est vraiment la question que je vais vous demander. J'espère quand même que vous avez passé un bon moment sur le live d'hier. Et que vous avez kiffé suivre cette aventure. Et, et que vous avez envie de revoir ce genre de choses. Bien sûr, pas avec les Espagnols, mais que ça soit autour du foot ou non. Moi, si vous me dites que ça vous chauffe. Les gars c'est fini là, c'est tout droit. C'est tout droit, vous inquiétez pas, on va faire du sale là. On va faire, on va faire du très sale. Ouais, déjà, déjà que je vous élique, déjà que je vous ai leak, euh, France Argentine. Déjà, je vous ai dit que le France-Argentine... Mais regardez, je vais, je vais vous dire même carrément ce qui devait se passer. Vous savez quoi Je vais vous le dire dans les détails. De toute façon, maintenant que l'event est terminé... Maintenant, il n'y a plus aucun intérêt de faire France-Argentine. Les gars, vous, vous, soyez honnêtes. Ça serait ringard de faire France-Argentine. Ça y est, la finale de la Coupe du Monde, elle est passée. Mais dans les, dans les 8 mois, ça, allait, ça aurait été fou de faire... Dans les 1 an juste après de faire la, la, la revanche, ça aurait été fou. Euh, on devait faire France-Argentine... Euh, J'avais trois stades en, en, en suspens. En France, c'était euh, Aguero, le capitaine de l'équipe. Et euh, Parce qu'Aguero, maintenant, il stream, c'est un streamer. Et euh, deux mois après, non, un mois et demi après, on devait faire le match retour directement euh, dans le stade où a commencé euh, Aguero à jouer au foot, dans son club de, de départ. Et. Euh, et euh, il devait y avoir Messi. Mais ça, mais les gars, c est, c est... non, après, c'était pas sûr. Le truc de Messi, c'était pas sûr. Attention, lui, c'est ce qu'il aurait voulu. C'est son meilleur pote. Agoros, c'est son meilleur pote. Mais tout a. Tout, tout s'est écroulé. Je vais pas vous dire pourquoi, le comment, etc. Ça s'est privé, mais... Tout s'est écroulé, tout a été annulé. et eh, j'ai passé une sale année 2023, moi. Les gars... Et je vous ai dit, et, et c'est pas le seul projet qui s'est annulé en 2023. J'ai eu peut-être quatre projets annulés en 2023, des problèmes perso. Oh, 2023, frère. Oh. Mais bon merci merci les gars merci pour la force bref euh, les mecs on se voit demain 20h 20h30 euh, merci pour la force j'entends des cris euh, prenez soin de vous. Attendez. Oh, il y a des cris bizarres Les gars, vous voulez que je vous mette quoi comme vidéo pour Comme fin de stream Je vous mets une vidéo parce que j'ai pas d'end screen. Dites-moi une vidéo de fin de stream dans, dans le chat et je vous la mets. Je pas, un clip ou un truc ou un anime ou je sais pas moi, une vidéo et je vous la mets. Mais où il y, y a du son, il hein, faut qu'il y ait une musique. Il faut qu'il y ait une musique. SDM. Ok bah vas-y ouais, je vous mets ça. Les gars à demain Merci beaucoup Prenez soin de vous euh, et, euh, et merci pour la force. Demain je vous fais l'annonce du prochain arc. Et, euh, et merci pour tout, pour tes explications. Désolé si des fois quand je m'explique je suis un peu maladroit. J'ai peut-être dû dire deux trois conneries, mais bon c'est comme ça, tant pis, je corrigerai s'il faut. Et, euh, et puis voilà, merci pour tout. Concours sur Instagram pour les maillots. Et, euh, et je vous tiens au jeu aussi pour les streams demain. Merci pour votre force, merci pour vos messages, merci pour vos DM. Vous êtes des monstres. Je sais que je dis ça depuis 4 ans, mais les refs, c'est que le début. Salut tout le monde. Salut, prenez soin de vous. À demain.